Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette première table ronde du cycle Religion, des mots pour les comprendre que nous ouvrons avec Philippe Godin, ici présent ce soir, qui en est le conseiller scientifique. Nous aurons donc à peu près un rendez-vous par mois pour ensemble décrypter et élucider, peut-être en tout cas ouvrir un débat, se poser des questions autour de ce vocabulaire religieux. Et donc ce soir, nous débutons avec le mot religion, assez logiquement, qui sera suivi par sacré, par foi, par rite, pour terminer par loi. Et j'en ai oublié un qui est la loi, merci. Pour ouvrir ce cycle, nous avons également invité un linguiste qui s'appelle Bernard Cerchiglini, que vous connaissez peut-être puisqu'il a une émission sur TV5 Monde. Et nous lui avons demandé, en guise d'introduction, de nous faire une petite pastille vidéo de 2 minutes sur l'étymologie du mot. Ça nous paraissait un bon socle pour ouvrir cette table ronde. Donc nous allons tout de suite enchaîner sur cette vidéo de Bernard Cerchiglini. Ensuite, je passerai la parole à Philippe Godin, qui présentera les 3 intervenants de ce soir, Lucien Scubla, Sophie Nordman et Philippe Cornu. Merci à vous et à plus tard. Certains considèrent que le latin religio vient de religare, lier fermement. La religion serait alors ce qui nous lie à la divinité, un attachement particulier à Dieu. Plus sûrement, religio provient de relegere, recueillir, c'est-à-dire revenir sur ce que l'on a fait, redoubler d'attention. De fait, en latin classique, religio signifie soin méticuleux. Le terme désigne donc moins un lien personnel au sacré qu'un traitement circonspect de ce dernier. On comprend qu'en latin médiéval, religio désigne la profession des choses saintes, l'ordre monastique. C'est en ce sens que le terme passe en français dès le XIe siècle. Entrer en religion, c'est se faire moine. La religion est une fonction sociale. L'histoire française du mot est une lente intériorisation. Au XIIe siècle, le terme commence à se dire d'une fréquentation personnelle du sacré au sein d'une foi déterminée. Le catholicisme seul jusqu'à la Renaissance, puis le protestantisme, puis chaque croyance humaine, religion monothéiste, archaïque, etc. Le terme en vient à désigner tout rapport intime de l'ordre au divin, n'avoir pas de religion, éventuellement concrétisé par un système de dogmes et de pratiques, voire toute opinion personnelle. Vous savez, ma religion est faite. À l'évidence, le mot religion est devenu plus individuel et abstrait, traduisant davantage un sentiment intime qu'un dispositif social. Il faut s'en souvenir quand on emploie le terme au sujet d'autres croyances que les chrétiennes, à commencer par la religion antique où le mot a pris sa source. Voilà, bah écoutez, bonsoir à tous. Alors j'espère qu'à l'issue de cette première séance, c'est la réflexion que nous nous faisions quand nous avons un petit peu préparé. Alors, nous espérons bien évidemment que vous aurez quand même le sentiment d'avoir quelques réponses à vos questions et que vous en aurez quelques satiétés, mais nous espérons aussi que vous sortirez, sinon avec une petite faim, en tous les cas, avec le désir d'aller plus loin et peut-être quelques questions auxquelles vous n'aviez point pensé. Alors, comme vient de le dire Caroline Reynaud, nous sommes partis effectivement d'une idée simple, c'est-à-dire qu'il y a quelques mots qui sont eux-mêmes des mots tout à fait ordinaires, de la langue ordinaire et que tout le monde connaît, et qui reviennent sans cesse quand il est question de religion. Mais souvent, les mots les plus ordinaires ou les plus simples sont parfois les plus difficiles à définir. Et c'était donc tout naturellement que nous avons jugé qu'il fallait commencer par le mot religion. Avant d'aller plus loin dans mon propre petit exposé ou montrer en quoi il y a des problématiques qui sont sous-tendues, qui sont là derrière le mot, quelques mots donc pour présenter nos intervenants. Sophie Nordman est philosophe, elle enseigne à l'École pratique des hautes études. Ses recherches portent essentiellement sur la philosophie juive à l'époque
contemporaine. Et je signale qu'elle a publié un livre, je dirais, de philosophie et non pas d'histoire de la philosophie, et qui s'appelle « Phénoménologie de la transcendance ». Lucien Scubla est philosophe, ethnologue de formation. Il a fait l'essentiel de sa carrière d'anthropologue et de chercheur à l'École polytechnique et à l'EHESS. Il travaille essentiellement sur les modèles formels de l'anthropologie, essayer de voir si on peut comprendre structurellement, si l'on peut trouver des lois et notamment quelques fondements rituels dans les sociétés humaines. Il a écrit notamment « Lire Lévi-Strauss » en 1998, « Donner la vie, donner la mort » en 2014. Il prépare un livre sur l'anthropologie de René Girard. C'est, je crois, un des meilleurs connaisseurs français de René Girard, auquel il attache une grande importance, mais vis-à-vis duquel il a aussi, bien évidemment, une lecture critique. Il participe à la revue MOS, c'est un jeu de mots, vous savez, c'est un acronyme, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, mais c'est aussi le nom d'un grand anthropologue qui a compté justement dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences religieuses. Philippe Cornu est historien des religions, enseigne à l'université de Louvain en Belgique, il est le président de l'Institut des études bouddhiques. Et il est plus particulièrement connaisseur du bouddhisme tibétain, ainsi que de la langue tibétaine, qu'il enseigne également. Je signale qu'il est l'auteur, en 2013, d'un livre « Le bouddhisme, une philosophie du bonheur ?» 12 questions sur la voie du Bouddha, et qui a l'intérêt, je crois, d'être un ouvrage généraliste et très utile pour le public occidental, mais néanmoins nourri par, évidemment, les connaissances d'un spécialiste. Voilà. Donc, pendant à peu près 10 minutes, je fais ma propre introduction pour essayer de lancer le débat. Ensuite, Lucien Scubla, pendant environ 15 minutes, nous donnera justement l'état, je dirais, de cette question du point de vue de la science des religions, qui a à peu près un siècle et demi maintenant. Ensuite, nous entendrons Sophie Nordman, qui nous développera son point de vue à la fois de philosophe et du point de vue de la pensée juive, et enfin Philippe Cornu. Donc je pense que ce qui est l'intérêt aussi sur un sujet aussi général, il faut faire des choix, bien évidemment. Nous avons des entrées bien particulières. Une entrée qui est celle effectivement de l'anthropologie, qui est un petit peu l'état de la recherche depuis justement toutes ces années où l'on pratique, si j'ose dire, la religion comme objet d'études scientifiques, et en même temps deux regards un peu décalé par rapport à cette approche généraliste, mais qui néanmoins porteront certainement des vérités générales à partir de points de vue bien particuliers, soit du point de vue du bouddhisme, soit du point de vue de la pensée juive et de la philosophie. Alors, comment présenter cette question de la religion ? Je crois que nous vivons tous actuellement, je dirais, une véritable saturation et une véritable surinformation autour du religieux. Je crois que le paysan du Berry aujourd'hui, puisque maintenant on écoute la radio dans les tracteurs, vous le savez, qui sont des objets extrêmement sophistiqués, le paysan du Berry écoute tous les matins quelque chose autour des graves tensions entre le sunnisme et le chiisme. Je ne sais pas s'il a toujours tous les éléments pour comprendre. Et d'ailleurs, si tous les autres Français ont des bons éléments pour comprendre de quoi il est question. Et je pense aussi à cette anecdote que racontait Michel Serres et qui disait que quand il avait commencé à enseigner, en gros, fin des années 60, début des années 70, s'il voulait vraiment faire rigoler ses étudiants, il leur parlait de religion. Et s'il voulait vraiment que ce soit très sérieux, il leur parlait de politique. Et il dit, à la fin de ma carrière, la situation s'est inversée. Pour faire rigoler tout le monde, on parle de politique. Pour vraiment avoir des choses sérieuses, on parle de religion. Mais que s'est-il donc passé ? Que s'est-il donc passé ? Je pense que entre 1979 et 1989, 1979, les troupes soviétiques envahissent l'Afghanistan et l'ayatollah Khomeini quitte Naufle le château, n'est-ce pas, pour rejoindre Téhéran. Et 89, les soviétiques s'en vont d'Afghanistan et le mur de Berlin tombe. Dans ces dix années, le XXe siècle a disparu de la carte. Et véritablement, des questions tout à fait nouvelles, inédites,
inattendues nous assaillent et qui ne sont pas sans relation avec la religion, incontestablement. Alors, quelles sont les questions, effectivement, les plus difficiles? Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est pris dans des batailles interminables, que ce soit dans les médias ou même dans le débat intellectuel et dans les conflits scientifiques autour de ces questions-là. On est pris dans des batailles interminables parce que, comme toujours, il y a de profonds malentendus sur le sens que l'on donne aux mots. Et je pense que le mot « religion » a des sens très différents, voire très contraires, et que ces différents sens restent contemporains les uns aux autres, ce qui explique beaucoup de nos contradictions et de nos contrariétés. Alors, quelles sont ces contrariétés, ces contradictions? Si on reprend effectivement les questions qui nous assaillent, il me semble qu'il y en a deux, bien évidemment. Il y a la question de savoir si derrière l'extraordinaire diversité dans l'espace et dans le temps, de ce que l'on nomme religion à tort ou à raison, est-ce qu'il y a bien une réalité derrière tout cela qui fait que, effectivement, ces choses très différentes méritent néanmoins d'être appelées d'un même nom. Et c'est bien la question de la définition qui nous sera posée, à laquelle nous essaierons de répondre, même en débouchant sur d'autres questions. Et puis, d'autre part, il me semble que derrière la question de la religion, et c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire par rapport à ce qui s'est passé dans les années 80, on a vu l'effondrement du paradigme de la disparition de la religion ou une certaine conception de la sécularisation ou encore de ce que l'on appelle la sortie de la religion. Donc, sommes-nous aujourd'hui dans un cas de figure où la religion ou les religions s'épuisent, tendent à disparaître? Ou sommes-nous au contraire dans une perspective de réaffirmation, de retour ou de recomposition d'une réalité qui garde sa pérennité? Et il y a fort à parier qu'il y a un peu de vrai dans ces deux thèses. Et donc, pour dire les choses un petit peu brutalement et en résumé, tout le monde se rappelle de la fameuse formule de Marx « La religion est l'opium du peuple » qui, à bien des égards, ne fait plus l'affaire. Je ne sais plus si c'est Régis Debray qui a inventé une autre formule. Il dit non, la religion n'est pas l'opium du peuple, c'est la vitamine du pauvre, n'est-ce pas? Ceci étant dit, ces deux formules fortes et synthétiques partagent quelque part une même analyse, c'est-à-dire la secondarité de la religion par rapport à d'autres réalités plus essentielles. C'est comme un regard rétrospectif, si vous voulez, et qui fait que l'on voit la religion comme le palliatif de ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire ce que j'appelle, moi, la société sans faille ni fêlure, le monde de la sécularisation, c'est-à-dire que nous avons de quoi répondre à la question du connaître, ça s'appelle la science, nous avons de quoi répondre à la question du faire et du subsister, ça s'appelle la technique et l'économie, nous avons de quoi répondre à la question de l'agir et à la question de savoir comment se gouverner. Ça s'appelle le droit et la politique. Science, technique, économie, droit et politique. C'est ce que j'appelle ce monde plein, en quelque sorte, sans faille ni fêlure. Et je pense que même intuitivement, même si l'on voit bien, même si l'on sent bien que les progrès scientifiques, techniques et économiques ne peuvent pas ne pas changer le rapport à la religion, tout le monde sent bien aussi la faiblesse de cette thèse. Quand ils seront moins bêtes et moins pauvres, ils ne seront plus religieux. L'autre difficulté, cette fois-ci, quand on veut définir la religion, c'est ce malentendu qui vient du fait que le sens de ce mot a profondément changé, je dirais, à la fois dans l'espace, bien évidemment, dans la mesure où, dès l'instant que l'on voyage, et nous l'avons appris en écoutant l'étymologie de ce mot est une invention méditerranéenne, je dirais à la fois latine et aussi sémitique, si l'on considère que le christianisme est une religion d'origine sémitique. Et il est bien évident qu'avec la globalisation, comme on dit, la prise de conscience de la multiplicité des religions ne peut pas ne pas questionner, si vous voulez, la question de savoir si toutes les religions peuvent entrer dans ce moule d'origine méditerranéenne. Quant à la question du temps,
autant la religio signifiait la religion des Romains, et puis ensuite le christianisme, et puis ensuite les monothéismes révélés par opposition à la religion naturelle des philosophes, je crois que le mot religion a pris autour du XIXe siècle, et ça n'est pas sans relation avec l'essor des sciences sociales et de l'approche scientifique du phénomène religieux, le mot religion a pris une signification toute différente. C'est-à-dire que la religion, ça n'est pas effectivement l'opinion personnelle ou un sentiment intime en rapport avec la foi, ce qui semble être finalement une évolution moderne. C'est-à-dire qu'en même temps que la religion semble refluer du côté de l'individuel et de l'intime, la définition scientifique de la religion, c'est le fait de dire que la religion, c'est ce qui règle les mœurs finalement, à la fois justement dans la vie intime comme dans la vie sociale. Et ça ne suffit pas de dire cela, bien évidemment, et je pense que Lucien Scubla dira un peu plus en rapport avec la question du sacré, du profane et du rite. Je ne veux pas continuer pour prendre trop de temps. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette question-là est une question sans doute très spéculative, mais elle nous percute dans la société contemporaine aujourd'hui pour mille raisons qu'on aura sans doute l'occasion de reprendre au cours du débat. Lucien Scubla. Oui, je ne vais pas répondre à toutes les questions que vient de poser Philippe Godin. Simplement, je vais essayer de vous proposer une définition raisonnable de la religion, c'est-à-dire qui correspond à tous les phénomènes que les historiens, les sociologues, les anthropologues ont coutume de ranger dans cette catégorie. Et pour cela, je vais surtout montrer qu'on peut et on doit distinguer deux conceptions fondamentales de la religion et que je vais essayer d'expliciter pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par la conception qui est la plus familière en Occident, parce qu'elle n'est pas seulement celle de la conscience commune, mais c'est aussi celle de la plupart des philosophes, et surtout, et c'est là-dessus que je vais insister dans mon premier point, c'est celle qui est sous-jacente aux textes fondamentaux de notre droit, c'est-à-dire la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l'homme de 1989 qui en constitue le socle. C'est une conception, je dirais, subjective, et intellectualiste, c'est-à-dire qui tend à réduire une religion a des croyances auxquelles les individus seraient susceptibles d'adhérer ou non, et par suite à situer la religion, sinon à la reléguer, dans le fort intérieur. Et j'opposerai à cette définition une conception objective et ritualiste de la religion, pour laquelle le religieux, c'est d'abord et avant tout un ensemble de pratiques cérémonielles et de prohibitions partagées, c'est-à-dire une institution. Je pense que c'est cette deuxième approche qui est la meilleure, pour la raison suivante que je vais donner tout de suite, c'est que dans la plupart des sociétés, il n'y a qu'une seule chose que l'on croit ou à laquelle il faut croire, c'est à la nécessité d'accomplir des rites et de respecter des interdits traditionnels. C'est-à-dire qu'avoir la foi, il faut se rappeler que foi vient de fides, c'est être fidèle au culte et aux tabous légués par une tradition. C'est avoir confiance en leur pouvoir d'assurer à la fois le salut personnel des individus et le salut collectif de la communauté. Donc, être religieux, ce n'est pas, dans cette perspective, être un croyant, mais être un fidèle. Et je fais bien remarquer que le mot fidèle et le mot confiance viennent tous deux du mot foi, se fier à quelqu'un, faire confiance à quelqu'un. Bon, lui être fidèle, par suite, tout cela, c'est la même chose. Et c'est cet élément sur lequel les sociologues et les anthropologues vont mettre l'accent. Alors, pour essayer de préciser un petit peu, alors donc, dans un premier temps, j'irai voir notre conception telle qu'elle est. Elle est sous-jacente, elle n'est pas explicitée, mais elle est sous-jacente à nos textes fondamentaux de droit. Et c'est parce qu'on verra, elle est une conception subjective et intellectualiste, qu'elle ignore la dimension sociale, qu'on rencontre les problèmes qu'évoquait Philippe Godin dans notre société, lorsqu'une religion qui correspond mieux à la définition des sociologues que le christianisme
tel qu'il est devenu, je dirais. Parce que les chrétiens ont fini par intérioriser la définition laïque du religieux que nous allons trouver dans nos textes de droit. Lorsque une autre religion plus traditionnelle apparaît sur notre sol, il y a une difficulté pour les juristes, pour les politiques, pour les journalistes, pour tout le monde finalement, de comprendre la réalité à laquelle on a affaire. Alors, dans le deuxième temps, donc, je voudrais préciser un petit peu les choses en rappelant tout simplement une définition très classique de la religion qui a été proposée il y a un peu plus de 100 ans par Émile Durkheim, qui est le fondateur de l'école de sociologie française. Cette définition a été parfois critiquée. On prétend qu'elle est ethnocentrique, qu'elle est propre à l'Occident, qu'elle ne vaudrait pas pour d'autres sociétés. C'est pour ça que je vous montrerai trois exemples. Un exemple qui est dans notre tradition, effectivement, judéo-chrétienne, et puis deux autres exemples exotiques pour montrer que ces trois exemples illustrent parfaitement la définition de Durkheim. Et enfin, je voudrais, si j'ai le temps, revenir à la Déclaration des droits de l'homme dont j'étais parti pour montrer que ce texte qui ne parle pas de religion, qui réduit la religion à une simple opinion, à une simple croyance, lui-même a une valeur religieuse. Et je donnerai des arguments très précis à ce sujet. Bon, pour montrer, autrement dit, que la définition de Durkheim, qui vaut pour ce que tout le monde appelle traditionnellement des religions, vaut également pour certains phénomènes que l'on n'a pas l'habitude de classer comme religieux, de considérer comme tel, qu'on considère même comme totalement étranger, voire hostile à toute forme de religion, et qui ont cependant un caractère religieux au sens précisément du Durkheim, c'est-à-dire qui vaut pour les religions. Voilà ce que je voudrais faire. Alors, c'est fait beaucoup, peut-être en un quart d'heure, je crois qu'on m'a accordé. Alors, il me reste 10 minutes seulement. Bon. Alors, je pense que, bon, voilà, je vous ai dit un peu le fil conducteur. Je pense que je vais faire, dans les 10 minutes qui me restent, ce que je peux. Et peut-être qu'à la faveur des questions, je pourrai ensuite compléter le propos pour traiter complètement les trois points que j'avais envisagés. Donc, je commence par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont je rappelle très rapidement les circonstances. Le 20 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume, l'Assemblée nationale fait serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Et tout de suite, deux questions fondamentales sont débattues. La première, est-ce qu'on peut commencer tout de suite par rédiger une constitution sans se mettre d'abord d'accord sur certains principes fondamentaux auxquels la constitution elle-même devra être assujettie ? Ou bien est-ce qu'on fera plus tard simplement une déclaration de ces principes ? Et très vite, on se met d'accord pour dire non, il faut commencer par faire une déclaration des principes. C'est ce qu'on va appeler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sera établie le 26 août 1789. Mais alors pendant tout l'été, il y a tout de suite une deuxième question qui se pose. Est-ce qu'il faut se limiter à faire une déclaration des droits de l'homme ou bien est-ce qu'il faut l'associer à une déclaration des devoirs, à commencer par les devoirs envers Dieu ? Puisque nous sommes dans une société majoritairement catholique, chrétienne, il y a une minorité juive, mais tous ces gens, finalement, se réclament tous de la Bible. Eh bien, on décide que l'on fera simplement une déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est ni question de Dieu, ni des religions, mais seulement des individus et de leurs droits dans le texte fondateur de 1789, qui reste le texte fondateur de notre Constitution. Alors, 17 articles très courts énumèrent donc les droits naturels de l'homme et du citoyen, les droits du citoyen découlant de ses droits naturels, en n'étant que des conséquences, puisqu'il est précisé dès l'article 2 que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc il s'agit de décrire les droits de l'homme, ils sont au nombre de 4, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On peut montrer que ces 4 droits
sont en fait quatre façons de décliner la liberté. Ce sont tous ce que les juristes appellent des droits-libertés et non des droits-créances. Je ne peux pas évidemment développer ce point. On y reviendra dans la discussion si c'était nécessaire. Et les droits du citoyen, ce sont ceux qui vont s'ajouter à ces droits que l'homme est censé posséder par nature simplement en tant qu'homme, à partir du moment où, avec les autres hommes, pour être sûr de sauvegarder, de préserver ses droits, ils vont se mettre d'accord pour établir certaines institutions dont la seule fonction, c'est de sauvegarder précisément ces droits de l'homme, de faire en sorte qu'ils soient toujours respectés. Alors, parmi ces droits, il va y avoir par exemple le droit de vote, mais il y a notamment la liberté d'opinion. Alors, je cite l'article 10. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public. » Donc voilà, c'est la seule occurrence, la seule référence à la religion. Les hommes ont des opinions, ils peuvent professer les opinions que bon leur semble, et même religieuses. Vous voyez, donc, dans le contexte où on est, la religion est réduite à une opinion qu'on peut avoir ou ne pas avoir, et que l'on a le droit d'exprimer librement. C'est-à-dire que tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, notamment en matière de religion. La religion se réduit à cela. Elle est ignorée comme institution. C'est seulement la Constitution 1791 qui précisera que elle garantit la liberté à tout homme d'exercer le culte religieux auquel il est attaché. Mais cette constitution a été abolie par la suite. Le texte n'a, à ma connaissance, jamais été repris, en tout cas dans les constitutions. Et dans la constitution de 58 à laquelle je passe, qui se réfère à la déclaration de 89, on dit simplement ceci. Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La religion, donc, comme vous le voyez, n'est évoquée que pour être révoquée, pour dire qu'elle n'est ni constitutive de la République, qui est laïque, ni constitutive de la citoyenneté, puisque, quelle que soit la religion ou l'absence de religion, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine, la couleur de la peau, la taille, toutes les déterminations empiriques que vous voulez, toutes ces déterminations ne constituent pas la citoyenneté. Donc, alors la seule allusion, mais ça n'est qu'une allusion qu'il faut deviner d'une certaine manière, à la religion, c'est elle respecte toutes les croyances. Mais qu'est-ce que veut dire « elle respecte toutes les croyances » ? Remarquons qu'il n'est pas précisé de quelles croyances il s'agit. Et deux remarques à faire. S'il s'agit des croyances en général, il est faux que la République respecte toutes les croyances. Si je crois en l'inégalité des races, par exemple, je suis passible de sanctions pénales. Bon. Si je crois qu'il faut, en matière de religion, rétablir le sacrifice humain ou des sacrifices même animaux, ce sera la même chose. On voit que la France ne respecte pas toutes les croyances, en partie notamment en matière religieuse, mais en d'autres domaines. Et par ailleurs, on voit que cette réduction de la religion à la croyance, comme je l'ai déjà dit, est tout à fait insatisfaisante. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut compléter en ce sens notre droit par... un texte qui vaut aussi pour notre pays, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle la France a souscrit, et qui, elle, dans son article 18, a le mérite de dire « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion », et de préciser « Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction », ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on reconnaît qu'une religion, ce ne sont pas simplement des croyances, des dogmes que l'on peut enseigner, ce sont aussi des pratiques, c'est un culte, ce sont des tabous, ce sont des rites,
ce qu'il faut accomplir. Donc on voit qu'en principe, notre droit respecte sans autre précision bien tous les rituels. Bon, il reste à se demander dans quelle mesure cela est exact ou non. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est que ce texte reconnaît que la religion n'est pas un phénomène privé. En réalité, il n'y a pas de religion privée. Toute religion a un caractère collectif. On n'est pas auteur des religions. Une religion est toujours reçue d'une tradition. Et reste à préciser ce qui caractérise donc les traditions que l'on peut dire religieuses. Alors, ce serait le second point, mais je crois que j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Oui, mais allez-y. Alors, pour préciser un petit peu la nature donc des religions, je disais, je vais faire appel à Durkheim, qui va nous proposer donc une définition que j'appellerai objective de la religion. C'est-à-dire que la religion, il ne faut pas croire qu'elle est logée dans les replis du cœur humain. Je voudrais montrer qu'elle peut l'être, mais elle ne l'est pas exclusivement. On peut l'observer dans l'espace, dans le temps, dans le monde matériel. Et c'est comme ça que procèdent le sociologue et l'ethnologue. Il n'a pas le privilège de sonder plus qu'un autre le cœur humain des gens. Il peut les interroger, mais on pourrait toujours dire qu'on ne va jamais jusqu'au fond de l'âme. Et il ne prétend pas savoir ce qu'il y a au fond de l'âme. Mais il peut observer ce que les gens font, où ils le font, quand ils le font, donc dans l'espace, dans le temps, et de voir comment tout cela est organisé. Alors, Durkheim définit la religion, commençons par la remarque suivante, que les phénomènes religieux se rangent en deux catégories fondamentales, les croyances et les rites. Alors lui aussi commence par les croyances, mais il ajoute les rites. Et il dit que toutes les croyances religieuses connues supposent une classification des choses en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes distincts que traduisent assez bien les mots profanes et sacrés. Les mots profanes et sacrés sont des mots français, mais ils traduisent assez bien les termes qu'emploient d'autres peuples pour désigner les mêmes catégories. Et il définit la chose sacrée comme la chose qui, par excellence, est celle que le profane ne doit pas, ne peut pas impunément toucher. Un bon exemple est donné dans la Bible. On transporte l'Arche Sainte sur un chariot tiré par des bœufs. Puis d'un certain moment, les bœufs s'arrêtent brusquement et par inertie, le chariot tente à continuer et un certain, je ne sais plus le nom de la personne, peu importe, une personne qui accompagne le chariot, croyant n'écouter que sa conscience, touche l'arche et c'est pour essayer d'éviter qu'elle ne se fracasse par terre si elle tombe. Et il est immédiatement foudroyé par Dieu. C'est l'exemple du contact du profane avec le sacré qui est immédiatement puni de mort. Les premiers ethnologues qui sont contemporains de la maîtrise de l'énergie électrique ont tout de suite comparé le sacré à l'électricité, qui est quelque chose d'à la fois extrêmement utile et salutaire, mais qui est en même temps quelque chose de très dangereux et qu'il faut toujours prendre des gants. C'est le cas de dire, on ne peut pas toucher directement les fils électriques. Et c'est exactement ce que l'on voit quand on est en présence de phénomènes sacrés. Voilà une caractéristique fondamentale. Donc, définition plus précise du sacré, les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et isolent, les choses profanes, celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester à distance des premières. Les croyances religieuses sont des représentations qui expriment la nature des choses sacrées et les rapports qu'elles soutiennent, soit les unes avec les autres, soit avec les choses profanes. Enfin, les rites sont des règles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se comporter à l'égard des choses sacrées. Voilà donc la définition. Alors, Durkheim donne deux précisions très importantes à propos du sacré. D'abord, c'est qu'il y a deux formes de sacré, le pur et l'impur. Il y a une ambivalence du sacré, il y a une bipolarité du sacré, je vous en montrerai des exemples dans un instant.
Je passe sur l'analyse très intéressante que fait Durkheim, que j'ai sous les yeux, mais que je saute. Le deuxième point qu'il précise, à la fin de son livre, le grand livre de Durkheim, c'est « Les formes élémentaires de la vie religieuse », 1912, qui est son chef-d'œuvre, à mon avis, qu'il a écrit à la fin de sa vie. Les phrases que j'ai citées jusqu'à présent sont dans la première partie, dans les 50 premières pages. C'est seulement à la fin qu'il donne une précision très importante, c'est l'antériorité des rites sur les croyances, des actions sur les représentations. Puisqu'il a défini, je vous rappelle, le religieux par les croyances et les rites, en mettant au premier plan les croyances, et dans tout le livre, il insiste beaucoup sur les croyances en insistant sur le caractère collectif, en disant que ce sont des représentations collectives et non pas des représentations individuelles. Mais à la fin, il précise, et c'est très important, que les théoriciens qui ont entrepris d'exprimer la religion en termes rationnels y ont vu avant tout un système d'idées. C'était des représentations, les croyances qui étaient considérées comme l'élément essentiel de la religion. Quant au rite, il n'apparaissait que comme une traduction extérieure, contingente et matérielle de ces états internes que sont les croyances. Mais il dit que c'est tout le contraire qui est vrai. Ce qui est premier, ce sont les rites et les tabous. Ce qui est second, ce sont les représentations qui les accompagnent. Voilà les points qui sont essentiels que je voudrais illustrer. Alors, il y a des... Je ne sais pas si je peux faire appel aux images. Première image, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Alors, voilà, c'est le temple de Jérusalem. Alors, on voit très bien... Alors, donc, on voit le plan général et le plan détaillé. Il y a une sorte de structure en poupée russe, si vous voulez. Donc, on a d'abord l'extérieur profane et puis des murs qui enveloppe une enceinte sacrée. Alors, dans cette enceinte sacrée, il y a une partie qui est accessible à tout le monde, et notamment aux non-juifs, aux gentils, c'est le parvis des gentils. C'est là qu'étaient notamment les marchands du temple, qui n'étaient pas là par hasard, parce qu'ils étaient là pour vendre les victimes sacrificielles que les gens qui venaient de loin devaient acheter pour les donner aux prêtres. Alors, si on regarde maintenant ensuite la structure du temple lui-même, on voit qu'il y a un parvis des femmes, donc il y a une cour qui est accessible aux femmes, et donc aux hommes aussi, mais que les femmes ne peuvent pas aller plus loin. Et ensuite, il y a une partie qui est plus sacrée, qui est réservée aux prêtres, donc vous voyez la cour des prêtres, il y a le sanctuaire proprement dit, et au fond du sanctuaire, il y a ce que l'on appelle le Saint des Saints, dans lequel... Seul le grand prêtre pouvait aller accomplir un rite une fois par an. Et comme il était seul à pouvoir le faire, il était attaché par une corde. Si bien que s'il lui arrivait un malheur, on pouvait retirer son corps sans aller profaner le Saint des Saints. Donc vous voyez l'importance de la chose. Et en même temps, je pense que le fait qu'on évoque cette possibilité pour le grand prêtre qui, lorsqu'il entre dans cet endroit saint, peut y trouver la mort, ça rappelle justement cette ambivalence du sacré. C'est le fait que même le sacré qui est pur, là c'est ce qu'il y a de plus pur dans le temple, c'est en même temps quelque chose de dangereux, avec lequel on doit prendre des précautions. Alors, deuxième image, s'il vous plaît. Alors voilà, là, nous changeons totalement. Alors, je n'ai pas d'image à proprement parler. C'est un dessin grossier que j'ai fait. C'est la structure de l'espace villageois dans une des îles Salomon. Alors, le village comprend trois parties, avec une partie profane qui est au milieu, qui est un espace neutre, où les deux sexes, les initiés et les non-initiés, peuvent coexister. Et deux parties qui sont sacrées, alors elles sont dites mola, vous avez les trois termes, voilà. Vous avez l'opposition d'une part profane-sacré, profane c'est mola, et sacré c'est abou. Il faut lire abou, c'est tabou, c'est le même mot que tabou, qui a donné notre tabou. Et il y a deux formes de abou. Il y a le abou mamana, qui est un sacré positif, qui est le sacré masculin, c'est l'air réservé aux hommes, où sont déposés les crânes des ancêtres,
où les hommes ont la maison, où ils font les rites et où ils dorment, et où ils font les sacrifices aux ancêtres. Et à l'autre extrémité, vous avez un autre endroit sacré, c'est-à-dire cette fois-ci interdit aux hommes, comme l'autre était interdit aux femmes, dans lequel se trouvent les huttes menstruelles et le quartier des accouchements. Et on voit donc qu'on a... et alors, dans la partie centrale, il y a des huttes où vivent... Alors, les huttes où vivent les adultes et les enfants, sauf que seules les femmes et les enfants non initiés dorment dans les huttes et que ces huttes sont elles-mêmes séparées en trois parties. Il y a une partie réservée aux hommes, une partie réservée aux femmes et une partie neutre entre les deux qui reproduit la structure fondamentale. Donc voilà un exemple pour montrer que les catégories utilisées par Durkheim pour décrire le religieux, eh bien, on le retrouve dans une population qui n'a rien à voir avec les religions judéo-chrétiennes, avec l'Occident. Image suivante. Alors là, c'est le village Bororo, souvent décrit par Lévi-Strauss, que Lévi-Strauss a visité en 1936, sur lequel il a écrit un article, et qu'il décrit notamment dans Triste Tropique. Alors, vous avez la maison des hommes centrale. C'est là qu'ont lieu tous les rituels réservés aux hommes, interdits aux femmes. Et vous avez autour maisons qui appartiennent aux femmes. C'est une société, alors, c'est une société matrilinéaire, alors que la société précédente était patrilinéaire. J'ai pris un exemple pour prendre deux exemples opposés. Vous avez donc ici une périphérie qui est profane et un centre qui est sacré. On trouve donc l'opposition fondamentale de Durkheim. D'autre part, la société est divisée en deux moitiés. Il y a les maisons côté sombre, c'est la moitié Tougaré, et les blanches, c'est la moitié Tchéra. Ces moitiés échangent des services rituels. Lorsqu'un Tchéra meurt, c'est un Tougaré qui fait les funérailles et inversement. Un Tchéra doit épouser un Tougaré un Tchéra, et ainsi de suite. Donc, je ne passe pas tous les rites en revue. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a deux personnages religieux importants dans cette société. Il y a d'un côté, je n'ai pas donné les noms vernaculaires qui sont compliqués, il y a d'un côté, du côté Tougaré, que j'ai mis en sombre pour cette raison, il y a le personnage que Lévi-Strauss traduit par le sorcier. C'est-à-dire, ça représente le côté négatif du sacré. Et puis, de l'autre côté, du côté blanc, vous avez le personnage que Lévi-Strauss traduit par le prêtre. Et ils ont des pouvoirs antagoniques. Ça correspond tout à fait à l'opposition du pur et de l'impur, du sacré pur, du sacré impur que Durkheim mentionnait. Voilà donc pour montrer la pertinence de ce point. Alors, le troisième point, je pense que je vais peut-être le passer sous silence parce que ça va faire trop long. Ce serait de montrer que cette définition, du moins l'opposition cardinale qui en est la base entre le sacré et le profane, elle s'étend à des phénomènes qui ne sont pas seulement religieux, comme je l'ai dit, et je voulais montrer que notre déclaration des droits de l'homme a ce caractère sacré. On y reviendra si on me laisse le temps pendant la discussion. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé, évidemment, qui méritera des développements. Alors, à défaut de passer l'électricité, je passerai le flambeau donc, à Sophie Nordman. Merci Philippe, bonsoir. Alors moi, comme l'annonçait Philippe Godin tout à l'heure, dans ces quelques propos qui vont ensuite servir de base à nos échanges, je parlerai à partir de la position singulière qui est la mienne, à savoir que je suis philosophe de formation. Or, la philosophie, c'est d'abord et avant tout non pas une science, mais je dirais une pratique de la mise en question. Et je me permets de le préciser parce que c'est quelque chose que de nos jours, on a parfois tendance à oublier quand on convoque le philosophe comme une sorte d'expert de qui on attend les réponses sur les grandes questions sociétales, existentielles de notre temps. Je crois qu'une telle attente, elle est
tout à fait contraire à l'esprit même de la philosophie qui est née avec Socrate, non pas comme un art de la réponse, mais au contraire comme une pratique de la mise en question. Et moi, c'est donc dans cette inspiration socratique, si vous voulez, que je voudrais me placer aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui consiste non pas à ajouter du savoir au savoir, mais plutôt à s'efforcer de déplacer, pour ainsi dire, le regard, pour essayer de voir autrement et de mettre en question ce qui, spontanément, semble aller de soi. Et donc, dans cet effort-là, il me semble que de porter ses regards sur le judaïsme, ce peut être justement l'occasion d'interroger en creux ce qui, ce que couramment on entend par religion. Et en particulier, quand on entend religion, souvent on entend d'emblée deux autres notions qui sont connexes, à savoir, et Lucien Scubla le rappelait à l'instant, celle de croyance et puis celle de Dieu. Et je crois que très souvent, c'est de là que naissent les confusions sur ce qu'on entend avec, sur la manière dont spontanément nous associons des notions entre elles. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le judaïsme, ces trois notions, on aurait pu en prendre d'autres, mais c'est en tout cas l'entrée que j'ai prise, ces trois notions, donc celle de religion, celle de croyance et celle de Dieu, ces trois notions qui, à nous, nous semblent comme consubstantielles les unes des autres, elles sont déconnectées. Et d'abord, puisque nous sommes partis tout à l'heure de l'étymologie du mot religion et de son évolution, l'évolution de son sens au cours de l'histoire, il est, je crois, intéressant de constater qu'en hébreu, merci, qu'en hébreu, le mot de religion n'existe pas. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas du mot religion, c'est le cas d'autres mots. Par exemple, le mot de Dieu, qui n'a pas d'équivalent en hébreu, ou alors qui a des équivalents multiples, ce qui revient finalement au même. Mais je resterai ici sur le mot de religion. Donc en hébreu, ce mot n'existe pas. Ou plutôt, il y a bien un mot en hébreu moderne qu'on traduit par religion, c'est le mot « dat ». Voilà, en hébreu, ça se dit « dat », en hébreu moderne. Or, première remarque, ce mot de « dat », il n'est pas d'origine hébraïque, mais d'origine perse. Et du coup, et c'est lié, ce terme, il n'apparaît pas dans les cinq livres de la Torah, dans ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc, dans le Pentateuque et en hébreu biblique, il n'y a pas de terme pour désigner la religion. Ce mot de « dat », ce mot donc qui en hébreu moderne prend le sens de religion, c'est un mot d'origine perse et on en trouve une occurrence seulement dans un livre tardif de la Bible qui est le livre d'Esther. Et là, deuxième remarque importante, me semble-t-il, dans le livre d'Esther, ce mot de « dat », il n'a pas le sens de religion, mais enfin de religion telle que nous l'entendons, il a le sens de loi ou de décret. Et j'y reviendrai, mais je crois que ça n'est pas du tout anecdotique que ce qui est devenu en hébreu moderne, le mot religion, est au départ pour sens le mot de loi. Parce que fondamentalement, dans le judaïsme, ce qui est central, c'est cette idée d'une loi dont les juifs sont les dépositaires et qui serait à mettre en pratique et à transmettre. Donc au départ, c'est dans le livre d'Esther qu'apparaît le mot date, et puis on le retrouve plus tard dans le Talmud, dans la loi orale, où il garde le sens de loi. Et au cours du Moyen-Âge, dans la littérature juive du Moyen-Âge, il a encore le sens de système de loi. Par exemple, on parlera de date tivi pour désigner la loi naturelle, ou de date enoshi pour désigner la loi humaine. Et c'est seulement très tardivement, à l'époque moderne, avec le mouvement qu'on appelle la Haskalah, qui est le mouvement des Lumières juives, et puis sous l'influence du christianisme, et en particulier sous l'influence du protestantisme, et puis encore un peu plus tard, avec la renaissance de l'hébreu moderne, c'est seulement là que le mot de date va prendre peu à peu le sens de religion, et que sa signification, elle va se déplacer de la référence à la loi vers une référence à la croyance. Mais d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que même en hébreu moderne, ce mot de date, il peut désigner de manière générale une vision du monde, sans forcément que ça soit lié à une référence théologique.
Donc, qu'est-ce que c'est ? Quelles considérations rapides peuvent nous permettre aussi, du coup, de saisir en ce qui concerne le judaïsme ? Je crois qu'elles nous permettent d'abord de comprendre que l'idée de religion telle que nous l'entendons et telle que, très spontanément, nous l'associons à celle de croyance en Dieu, cette idée-là, elle est une idée qui est quelque peu étrangère au judaïsme. Et donc, si on en reste au judaïsme pour essayer de le comprendre sans plaquer sur lui des catégories de pensée qui lui sont étrangères, qu'est-ce qu'on devra dire ? On devra dire d'abord, une remarque fondamentale, on est juif, on est NAIT. On peut aussi devenir juif. Il y a la possibilité de la conversion. Et je laisse de côté cette question qui est extraordinairement complexe. Ce que je veux souligner, parce que ça me semble important, c'est que suivant la loi juive, ce qu'on appelle la halakha, un enfant qui est né d'une mère juive est juif. Et ça me semble important parce que ça va engager un certain nombre de choses. C'est, par exemple, une différence majeure avec le christianisme qui suppose, pour être chrétien, l'acte du baptême. Dans le judaïsme, on est juif, point. Et pourquoi ça me semble important ? Parce que naître juif, cela signifie que l'on est dépositaire de quelque chose au nom des générations passées et pour les générations à venir. On est dépositaire de quelque chose que l'on va avoir à son tour pour tâche de transmettre à la génération suivante. Et donc, on est juif. Ce que je veux dire, c'est qu'on est EST cette fois-ci, d'emblée, placé dans cette situation au sens sartrien du terme. Et du même coup, la question, elle va d'emblée se poser, non pas en termes de croyance, mais plutôt en termes de transmission. Vais-je abandonner, vais-je déposer comme un fardeau encombrant ce judaïsme dont je n'ai dépositaire, ou est-ce que je vais le transmettre à mon tour, et alors comment ? Et ce qui est important de considérer, c'est que les différents courants du judaïsme religieux, ils vont essentiellement naître de la réponse qu'on va donner à cette question. C'est-à-dire que, par exemple, certains estimeront que pour transmettre ce judaïsme dont chaque génération est dépositaire, pour que cette transmission puisse se perpétuer, il faudra que chaque génération garde intact ce qui lui a été transmis et le transmette intact à la génération suivante. Et ça, ça va donner lieu à des courants d'orthodoxie ou d'orthopraxie. Et puis, au contraire, d'autres pourront estimer que pour que cette transmission elle puisse se faire de la meilleure manière possible, il faudra que chaque génération, au contraire, adapte cet héritage dont elle est dépositaire, qu'elle l'adapte à son environnement, aux conditions de vie qui sont les siennes. Et ça, ça va, disons, donner lieu à des courants plus libéraux. Mais si j'insiste sur cela, c'est qu'on le voit, ce qui est déterminant, ça n'est par exemple, des discussions théologiques sur la nature de Dieu qui vont donner différents courants, comme on peut le voir dans d'autres traditions religieuses. Ça n'est pas des questions ni théologiques, ni des questions de courants de canons religieux qui vont donner lieu à des courants distincts, mais c'est plutôt la manière de prendre en charge cette question fondamentale, être dépositaire et transmettre. Et puis, je crois que cela permet aussi de comprendre que, du coup, cette transmission, elle puisse se faire aussi en dehors ou à distance du cadre de l'observance et de la pratique religieuse. Parce que certains, par exemple, estimeront que ce dont ils sont dépositaires, ce sont des traditions familiales qu'ils ont à charge de transmettre. C'est une mémoire. Ou alors, ce sont des valeurs d'éthique, de justice sociale, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est là, bien loin de l'idée suivant laquelle l'appartenance au judaïsme passerait par une croyance en Dieu ou d'ailleurs dans un credo, quel qu'il soit, puisque non seulement le judaïsme n'a pas de credo, mais je dirais même, pour aller encore plus loin, que la question de la croyance en Dieu n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Au contraire,
c'est quelque chose qui est très problématique. J'ai dit tout à l'heure en commençant qu'il n'y avait pas de mot unique en hébreu pour dire Dieu. C'est quand même paradoxal que dans le monothéisme, il n'y ait pas de mot unique pour dire Dieu. Mais même, on peut ajouter que, comme l'a montré notamment Emmanuel Levinas, qui est l'un de ces philosophes juifs contemporains dont je m'occupe plus particulièrement dans mes recherches, si par Dieu, on entend un être suprême, alors, d'une certaine manière, y croire, ça serait encore une forme d'idolâtrie. Donc, la question de Dieu, elle est une question, elle est un problème. Elle est un problème plus qu'un prérequis. Et donc, la croyance en Dieu ou la croyance en un être suprême n'est pas quelque chose qui va de soi, et elle est encore moins quelque chose qui serait requis ou qui serait exigé pour s'inscrire dans une appartenance au judaïsme. Alors, du coup, se pose la question de la croyance, parce que quand je dis que dans le judaïsme, il n'y a pas de credo, est-ce que ça signifie pour autant que le judaïsme exclut toute forme de croyance? Non, mais là encore, comprendre ce que peut signifier la croyance dans le judaïsme nous oblige à mettre en question nos cadres de pensée, les cadres de pensée qui sont communément admis. Et surtout, ça oblige à ne pas plaquer trop vite nos propres catégories de pensée. Parce que très couramment, quand on parle de croyance, on a en vue, ça renvoie, si vous voulez, à une sorte de dichotomie entre, d'un côté, la raison qu'on identifierait spontanément au savoir, à la connaissance, et puis, de l'autre côté, tout ce qui dépasse la raison, tout ce qui n'est pas objet de connaissance, et c'est cela qui constituerait le champ de la foi ou de la croyance. Or, dans le judaïsme, cette partition, si vous voulez, entre d'un côté la raison et de l'autre la croyance, elle n'a pas lieu d'être. La croyance, ce qu'en hébreu on nomme émouna, c'est le mot émouna qu'on traduit généralement par croyance, la croyance, elle n'est pas à côté de la raison. La croyance, elle est plutôt une forme d'exercice de la rationalité. Mais l'exercice d'une rationalité, d'une forme de rationalité qui n'est pas celle de la science telle que nous l'entendons. On pourrait dire qu'il s'agirait d'une rationalité qu'on pourrait appeler pratique. Une rationalité qui relève, si on reprend les grandes questions qui sont formulées par Kant, une rationalité qui ne relève pas de la question « que puis-je connaître ?», mais de la question « que dois-je faire ?». Et c'est une rationalité de ce type que l'on trouve à l'œuvre, notamment dans le Talmud, dans les discussions talmudiques, ces discussions qui ne portent absolument pas sur l'existence de Dieu ou sur des questions métaphysiques auxquelles on pourrait croire ou non, mais qui portent sur des cas extrêmement concrets de la vie courante afin de codifier un certain nombre de pratiques, de lois, de commandements. Donc, il n'y a pas d'un côté la raison, de l'autre la foi ou la croyance, mais plutôt une sorte de raison confiante. Et d'ailleurs, le mot émouna en hébreu, qu'on traduit généralement par croyance, veut dire confiance. Et on retrouve là ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la proximité du mot de foi, fidélité, confiance. On retrouve cette même proximité en hébreu. Et pour illustrer ce propos, on peut remarquer que nous aussi, dans la langue française, nous avons deux adjectifs qui renvoient à ces deux formes de rationalité que je viens d'évoquer. On a d'abord le rationnel, qui se rapporte à la connaissance, et puis on a aussi le raisonnable, qui se rapporte à l'agir, et c'est plutôt quelque chose de cet ordre qu'il faut avoir à l'esprit quand on aborde la question de la croyance dans le judaïsme. Donc, une croyance qui renvoie à une certaine pratique plutôt qu'à une forme d'adhésion intérieure, spirituelle, à un credo ou à des choses qui dépasseraient la raison. Et d'ailleurs, et là, d'une certaine manière, je boucle la boucle avec le départ. Ce lien entre croyance et pratique, il nous fait, dans une certaine mesure, retrouver le sens originel du mot « date » dont j'étais partie, qui renvoyait, je vous le rappelle, à l'idée de loi.
Donc on a une autre manière d'articuler loi, croyance, religion, pratique. Et donc, je crois que on peut là mesurer l'écart entre cette conception et puis la définition usuelle, si vous voulez, qu'on donne de la religion. J'ai relevé la manière dont le définit celle Larousse, mais qui correspond d'une certaine manière à l'entente spontanée qu'on en a. Religion, ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. On voit que cette définition-là, elle ne peut pas s'appliquer telle qu'elle au judaïsme, ou sinon on passe à côté d'une réelle compréhension. Et en regard, si vous voulez, de cette définition, je voudrais peut-être vous lire une phrase d'Emmanuel Lévinas qui peut, d'une certaine manière, ouvrir la réflexion et la discussion. Voilà ce qu'écrit Lévinas dans l'Arche Sainte, cette Arche Sainte qu'on évoquait tout à l'heure. Dans l'Arche Sainte, donc, d'où Moïse entend la voix de Dieu, il n'y a rien d'autre que les tables de la loi. Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire. Et donc, voilà, je crois que ce rapide détour par le judaïsme, d'abord, il peut nous permettre de réinterroger ce que spontanément nous mettons derrière les mots de religion, de croyance, etc. Et puis, je crois aussi qu'il doit nous mettre en garde contre un danger qui serait celui de plaquer sur le judaïsme des catégories de pensée qui lui sont étrangères et qui, du coup, ne permettraient pas de réellement le comprendre. Et alors, s'il me reste une toute petite minute, il m'en reste une toute petite parce que du coup, en préparant cette intervention, il m'est revenu en mémoire une histoire juive, une blague. Et donc, voilà, je l'aime bien parce que je la trouve assez éloquente et je trouve que finalement, elle en dit parfois autant que de longs discours. Donc, c'est monsieur... Je n'ai pas l'habitude de raconter des blagues, hein, donc je me jette à l'eau. C'est monsieur et madame Goldblum qui ont un fils, le petit Moshe. Et puis, le petit Moshe arrive en âge d'aller à l'école et là, monsieur et madame Goldblum commencent à se renseigner de manière très rigoureuse parce qu'il est vraiment extrêmement important pour eux que le petit Moshe reçoive la meilleure éducation possible pour qu'il puisse faire de bonnes études, etc. Donc, ils se renseignent et puis ils se rendent compte que la meilleure école de leur quartier, c'est une école catholique. Alors bon, ils sont un petit peu embêtés, ils réfléchissent, ils tergiversent. Et puis, finalement, l'éducation du petit Moshe prime sur tout le reste. Et donc, ils décident de l'inscrire à l'école catholique. Donc, arrive le jour de la rentrée, le petit Moshe part à l'école. Et puis, à la fin de la journée, il rentre de l'école. Et monsieur et madame Goldblum l'attendent à la maison. Et mon petit Moshe, comment s'est passée ta journée ? Oh là là, papa, maman, c'était vraiment une excellente journée. J'ai appris plein de choses. Alors, j'ai appris qu'il y avait Dieu le Père. Et puis, j'ai appris qu'il y avait aussi Dieu le Fils. Et puis, j'ai appris qu'il y avait aussi le Saint-Esprit. Et là, monsieur Goldblum coupe son fils et lui dit « Écoute, mon fils, chez nous, Dieu, il n'y en a qu'un et on n'y croit pas. » Manière de raconter l'histoire qui consiste à dire on n'y croit pas, mais de toute manière, il n'y en a qu'un. Voilà. Bon, merci donc à vous maintenant, Philippe Cornu, pour nous faire voyager ailleurs et puis avant d'engager le débat. Alors, moi déjà, une petite remarque de mon côté, c'est que je pense que ces définitions qui sont quand même assez sociologiques, comme la définition de Durkheim, elle a ses limites. Elle a ses limites parce qu'elle ne tient pas tellement compte du sentiment religieux. Et je trouve que c'est quand même fondamental, le sentiment religieux. Par exemple, j'aime bien Benjamin Constant, qui lui nous dit par contre, on a jusqu'ici, donc Benjamin Constant, quelqu'un qui est pendant la Révolution française, et qui nous dit, on a jusqu'ici envisagé que l'extérieur de la religion. L'histoire du sentiment intérieur reste en entier à concevoir et à faire. Les dogmes, les croyances, les pratiques, les cérémonies sont des formes que prend le sentiment religieux et qu'il brise ensuite.
Et moi, je trouve ça très intéressant comme définition, parce que quelque part, il nous dit qu'il y a d'abord et avant tout une intériorité dans la religion, et non pas des rites ou une extériorité. Donc, moi, je vais prendre un peu le contre-pied, ce qui permettra de faire un débat, évidemment, parce que précisément, je vais prendre l'exemple du bouddhisme. Et que quand on prend le bouddhisme, je vous avertis tout de suite, c'est un ovni au niveau des religions. Alors, pourquoi c'est un ovni? Parce que d'une part, si vous voulez... alors voilà, comme préambule déjà, je dirais que quand on parle de religion, il y a deux aspects. Il y a l'aspect institution religieuse qui, effectivement, est un collectif et quelque chose qui regarde une société. Et il y a l'aspect voie spirituelle. Sans voie spirituelle, est-ce qu'une religion peut réellement exister? Moi, je pose la question. Or, la voie spirituelle est individuelle. La voie spirituelle, c'est un individu qui chemine. C'est quelqu'un qui s'interroge sur son intériorité. C'est quelqu'un qui cherche à dépasser, en quelque sorte, sa condition. Et ça, pour moi, c'est ce qui est fondamental pour donner vie à l'aspect religieux. Alors, l'aspect social qui est dans l'institution, c'est en quelque sorte la structure de la religion. C'est en quelque sorte une forme de rationalisation de la religion. Mais fondamentalement, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est quelque chose de très, qui ne participe pas au rationnel, qui participe à l'expérience pure de l'individu, un ressenti profond qui fait qu'il est appelé à quelque chose ou qu'il ressent une expérience profonde qui bouleverse complètement son existence. Et c'est cette expérience-là qui est véritablement le fondement du religieux pour moi. Donc, de ce point de vue, par exemple, je considère qu'il y a des religions qui vont faire beaucoup plus appel à l'aspect institutionnel ou à l'aspect loi, à l'aspect rite, observance, mais il y a aussi des religions qui ne le font pas ou qui l'allègent considérablement et qui vont beaucoup plus encourager l'aspect cheminement spirituel individuel. Et c'est le cas du bouddhisme, précisément, qui ne cherche jamais à régir une société à travers des principes. Si on prend ce que le Bouddha a enseigné, c'est d'abord son expérience personnelle, c'est d'abord son éveil, c'est quelque chose qui l'a libéré de ses conditionnements, il a découvert ce qu'était l'origine de la souffrance, et il propose un chemin qui est celui qu'il a suivi à ceux qui veulent bien l'entendre. Mais il ne l'impose aucunement à une société. Ce n'est pas un système collectif. Le bouddhisme, s'il y a une communauté bouddhiste, elle est seconde. C'est d'abord des individus qui écoutent ce message pour lequel ça fait sens et qui vont donc se mettre en cheminement. Et s'ils cheminent, ils vont cheminer peut-être ensemble, les uns à côté des autres. Ils vont peut-être se donner des coups de main et il va y avoir effectivement une communauté qui va se constituer, qu'on appelle Sangha. Hein, Sangha qui veut dire communauté. Alors, c'est un peu difficile de dire que c'est une église, parce que le mot église est tellement connoté. Mais on pourrait penser que le mot Sangha, c'est un peu l'équivalent d'Ecclesia, effectivement, qui a donné le mot église. Mais en même temps, vous voyez, c'est une communauté qui part des individus. Et moi, je suis tout à fait persuadé qu'avant de parler d'une société, avant de parler d'une entité qui est générale, il faut d'abord parler des constituants qui la constituent. Or, une société est constituée par des individus. Ce sont les individus qui font la société, et non pas la société qui fait les individus pour moi. En tout cas, de mon point de vue, et peut-être que je suis influencé effectivement par le bouddhisme. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'idiot culturel, effectivement, et que c'est avant tout l'individu qui peut réellement être la personne compétente pour parler de ce qu'il ressent avant même que l'on puisse exprimer quelque chose au nom d'une société. Et je crois que c'est très important de garder ce point de vue-là en vue. Si on regarde, par exemple, le bouddhisme, est-ce que c'est une religion? D'abord, ça veut dire qu'il faut regarder la définition du mot religion que l'on donne, parce que il y a beaucoup de définitions. Si on prend, moi je m'amuse avec mes étudiants à leur donner tout un tas de définitions depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant,
on s'aperçoit que personne n'est d'accord. C'est un objet qui varie extrêmement. On peut dire que quelque part, la religion, si on prend par exemple ce que nous dit la définition la plus large, par exemple, pour moi, c'est Paul Tillich qui la donne, qui est un protestant, un théologien protestant. Il nous dit la religion, c'est avant tout une attitude. Et c'est une attitude à l'égard de l'inconditionné. C'est-à-dire la part qui n'est pas conditionnée en nous. La part qui est complètement libre et ouverte et à laquelle on peut avoir accès dans certains états d'esprit particuliers. Ça, c'est une définition la plus large possible. Alors là, le bouddhisme, il rentre dans cette définition parce qu'effectivement, dans le bouddhisme, on cherche un inconditionné. On cherche un inconditionné et on peut dire d'une certaine manière qu'on cherche une transcendance dans le bouddhisme, mais une transcendance qui va se trouver dans l'immanence, c'est-à-dire dans l'individu. Ce n'est pas une transcendance qui est extérieure. Il n'y a pas un créateur et une créature. Tout se produit dans l'esprit de l'individu. Et donc on va chercher les aliénations, on les trouvera dans l'esprit de l'individu, mais les désaliénations dépendront de la capacité de l'individu à dénouer les aliénations dans son esprit et à retrouver sa liberté originelle. Et donc, alors on peut se dire à partir de là, est-ce qu'il y a des éléments du religieux dans le bouddhisme? Alors par exemple, y a-t-il de la croyance dans le bouddhisme? Ou plutôt, y a-t-il de la foi? Pour moi, ce n'est pas la même chose. Pour moi, la croyance, c'est une construction mentale. C'est quelque chose dont on n'est pas sûr et dont on essaye de se persuader. Et pour moi, la croyance, il y a quelque chose de la persuasion dans la croyance, quelque chose de fabriqué mentalement, voyez-vous. Alors que la foi, je dirais que c'est un sentiment intérieur qui surgit à l'occasion d'une expérience profonde et bouleversante. Pour moi, la foi n'est pas la croyance. La croyance, elle s'arrête aux frontières de la foi, comme le dit d'ailleurs un bouddhiste qui s'appelle Valpola Raoula, qui dit « La question de la croyance se pose quand il n'y a pas de vision, dans tous les sens du mot. Du moment que vous voyez, la question de la croyance disparaît. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une évidence à ce moment-là. Et moi, je place la foi dans le sens de l'évidence. Alors, comment on va arriver à cette évidence dans le bouddhisme? Par la pratique, par l'expérience, précisément. C'est-à-dire qu'on peut toujours, effectivement, considérer les principes énoncés par le Bouddha, on peut les écouter, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais tout ça, ça reste mental, ça reste superficiel, ça reste de l'ordre du raisonnement. Mais quand on s'assoit sur le coussin, par exemple, et qu'on observe son esprit, et qu'on commence à appliquer des méthodes qui sont les méthodes de méditation, par exemple dans le bouddhisme, et bien là, on va faire une expérience directe. Et on verra bien si ce qui est dit est juste. Si ce qui est dit est attesté par notre expérience personnelle. Et fondamentalement, c'est cette expérience-là qui valide véritablement la foi, à partir de laquelle on peut construire un chemin. Sinon, le chemin sera toujours artificiel. Il sera toujours s'efforcer d'eux. Et il n'y aura pas véritablement une naturalité qui va se manifester dans le fait que, effectivement, c'est ce que je vis. Ce qui est important, c'est ce que je vis. Est-ce que je vis dans l'aliénation? Est-ce que je vis dans la liberté? Je le vois dans les actes quotidiens, je le vois dans le comportement quotidien que je peux avoir. Et si je m'observe véritablement, je sais si je suis aliéné ou pas. Si je fais l'expérience d'une désaliénation, je le verrai dans ma vie. Et les autres le verront avec moi. Parce que je changerai de comportement vis-à-vis d'eux. Et c'est ça qui compte fondamentalement dans le chemin bouddhique. Et donc, quand il va y avoir effectivement une possibilité pour le bouddhisme d'avoir un impact social, c'est quand un certain nombre d'individus seront convaincus effectivement de ce chemin par leur propre expérience et que par conséquent, il va y avoir un effet boule de neige qui va effectivement influencer la société. Mais ce n'est pas un fait social avant tout.
D'ailleurs, le Bouddha a proposé aux gens de sortir quelque part de la société pour pouvoir faire un chemin spirituel. C'est le chemin monastique au départ qui est proposé. Et en fait, ce sont des gens qui s'abstraient de la famille, qui s'abstraient de la société, qui renoncent en quelque sorte au monde pour pouvoir rentrer dans une intériorité, quitte ensuite à revenir vers le monde, bien entendu, parce que ce n'est pas un chemin de fermeture par rapport au monde. On dit souvent que le bouddhisme est une religion de l'inaction, ce n'est pas du tout vrai, c'est une religion de l'action, mais de l'action qui part de l'intérieur, hein, et qui part d'une intériorité bien comprise. C'est-à-dire que l'action, évidemment, est liée à une intention, et si notre intention est juste, c'est parce que précisément on aura travaillé avec notre intériorité. Et à ce moment-là, on peut effectivement agir d'une manière plus efficace et plus juste dans le monde. Et donc c'est de cette manière-là qu'on voit les choses. Donc il y a bien une sangha, une communauté, mais cette communauté, en fait, c'est un ensemble d'individus qui approuvent effectivement et qui se retrouvent dans l'approbation d'un enseignement qu'ils ont validé par leur propre pratique. Alors, à part ça, par exemple, la question du sacré et du profane, je vous ai prévenu que c'était un ovni, et c'en est un encore à ce niveau-là, il n'y a pas réellement une séparation du profane et du sacré. À vrai dire, on s'en fout complètement dans le bouddhisme. Hein ? Pourquoi ? Parce que la question du profane et du sacré, c'est une séparation dualiste. C'est une séparation véritablement de type... Il y a une forme de rationalité dans le fait de considérer qu'il y a quelque chose qui est sacré, quelque chose qui ne l'est pas. C'est un tri qui se fait dans l'esprit, et c'est un esprit dualiste qui peut séparer les choses. Si je regarde les choses dans le bouddhisme, dans la perspective de ce que j'appelle le dharma, qui est d'ailleurs le terme utilisé pour définir ce qu'est le bouddhisme, hein, c'est-à-dire dharma, ça veut dire, à bien réfléchir, ça veut dire l'ordre des choses. Les choses quand elles se tiennent, quand il y a quelque chose qui se tient, vous voyez, c'est ça le dharma. Donc, si on voit les choses dans leur réalité véritable, c'est-à-dire quand on voit les choses dans le véritable ordre des choses, et qu'on conforme effectivement son activité et son intention à cet ordre des choses, eh bien, quelque part, tout est sacré. Si par contre je suis à côté de la plaque, ce qui arrive très souvent en tant qu'être humain, eh bien je me plante et je plante les autres. Je les fais souffrir et je me fais souffrir parce que je ne suis pas en adéquation avec la réalité ultime des choses. Et quand je ne suis pas en adéquation, je suis dans le profane évidemment et dans la souillure. Mais la souillure, c'est une auto-souillure. Ça regarde mon esprit. Ça regarde évidemment par rebond mon rapport avec autrui. Mais il n'y a que changer mon regard qui peut changer complètement ma vision du monde. Et si je change complètement mon regard pour avoir un regard qui est une vue du réel, dans le sens du réel, c'est-à-dire de la nature des choses, hein, la nature des choses telles qu'elles sont et non pas telles que je crois qu'elles sont, encore une fois, ce n'est pas une croyance, c'est aboutir, accéder au réel, qui compte, alors à ce moment-là, tout est effectivement sacré et il n'y a plus de séparation. On a deux termes dans le bouddhisme, on parle du samsara. Samsara, c'est la galère, c'est la souffrance, c'est le monde de nos projections mentales, c'est toute notre fabrication de fantasmes qui nous fait agir à l'égard d'autrui d'une manière égocentrique, qui fait qu'on va faire souffrir les autres parce qu'on se croit le plus important au monde, etc. Ça, c'est le samsara, c'est notre conditionnement. C'est le conditionnement de nos intentions qui crée en nous des sortes de projections et qui formatent notre vision du monde. Hein. Nous sommes déformés, en quelque sorte, par nos intentions antérieures, qui sont les intentions des actes. Des actes qui étaient déjà égocentriques. C'est ce qu'on appelle le karma. Tout ça, ça ne peut produire que de la souffrance. Parce que c'est totalement désordonné, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, et par conséquent, je m'enferme dans un pseudo-monde, je crée mes propres scénarios, mais comme je le dis souvent à mes étudiants, le problème c'est que nous sommes de mauvais scénaristes, et en plus on est obligé de se projeter le film dans la vie suivante.
Parce que dans le bouddhisme, évidemment, ça se fait par rebond, parce que, évidemment, le compte n'est pas revenu à zéro à la fin de la vie, et par conséquent, tant qu'il y a de l'alimentation dans le moteur, on est propulsé vers la vie suivante, et on subit à nouveau les résultats de ce qu'on a produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le samsara. Ça, c'est une vision assez pénible. C'est l'existence, le cycle des existences douloureuses. Le bouddhisme propose d'en sortir. Et pour en sortir, il faut couper toutes les causes, effectivement, qui mènent à cette souffrance. Et donc sortir de l'ignorance. Sortir de l'ignorance, c'est accéder au réel. Donc réfléchir, pratiquer la méditation, réfléchir sur les enseignements et accéder à la sagesse. Et ce n'est que par ce moyen-là qu'on arrive à en sortir. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de différence entre samsara et nirvana. Quand on parle du nirvana, ce n'est pas du tout une fuite du monde. Le nirvana, il est là, à condition qu'on sache le voir. Il n'y a pas de souffrance inhérente au monde, il n'y a pas de mal inhérent dans le monde. Le mal, il est produit par nous. C'est une projection de notre esprit sur les choses. Et donc, c'est la réalisation de cette non-dualité, en quelque sorte, entre le samsara, le cycle des existences douloureuses, et le nirvana, qui est l'au-delà de la souffrance, découvrir en réalité qu'il n'y a pas de dualité entre les deux, c'est s'affranchir de toute cause d'aliénation et à ce moment-là, obtenir ce qu'on appelle la libération et l'éveil. Et c'est ça, en fait, que le bouddhiste cherche. Donc, vous voyez, c'est un autre point de vue. Mais il y a toujours une transcendance, quand même. Mais cette transcendance, elle est la transcendance de nos catégories. Et justement, de nos oppositions, hein, de nos catégories dualistes. Et c'est ça, effectivement, qui est l'objet du bouddhisme. Donc, je ne sais pas si mon temps est arrivé à la fin ou s'il y a encore un peu de temps. Voilà, par principe. Le temps est échu. Voilà, du merci. Du lapapo. Voilà, comment dire, merci, tibétain. Merci beaucoup. Alors, la question que je me pose, c'est évidemment, que dois-je faire? Car c'est la bonne et la vraie question. Alors, on a à peu près jusqu'à 21h. Je sais qu'il y a des gens aussi qui, pour des raisons évidentes, de transport ou autre, ne peuvent pas rester. Donc, il ne faut pas que notre petite équipe soit trop égocentrique. Et donc, il faut penser au fait qu'il sera intéressant, je pense, d'écouter vos questions et au travers des réponses qui seront faites, le débat va continuer. Donc, je vous propose la chose suivante. Faire juste ceci, que peut-être que chacun d'entre vous trois, vous ayez très brièvement une sorte de réaction à ce que vous avez entendu de la part des deux autres. Et puis, tout de suite après, moi, je mets mes propres questions dans ma valise. Tout de suite après, les gens poseront des questions. Je crois que ce sera le plus intéressant et le plus vivant. Lucien Scubla, vous avez été le premier à parler. Peut-être, même si les débats sont immenses, hein, bon, mais une réaction à ce que vous avez entendu de vos camarades de jeu. Oui, évidemment, la perspective est assez différente parce que moi, je m'intéressais aux aspects extérieurs, visibles du religieux et mes camarades ont parlé plutôt de la pratique religieuse vue du point de vue des individus. Et donc ça me pose, j'aurais des questions à poser. Par exemple, pour le judaïsme, vous n'avez pas parlé de la circoncision. Vous dites on est juif, mais si on n'est pas circoncis, est-ce que on est juif quand même? Dans le judaïsme, il y a un certain nombre de commandements qu'on appelle les mitzvot. Oui. La circoncision fait partie, il y en a d'autres, par exemple la kashrout, et donc la circoncision est une mitzvah. Elle est un commandement, mais elle ne conditionne pas le fait d'être juif. Très concrètement, enfin, on a été juif, oui. Qu'on soit circoncis ou non. Et d'ailleurs, quand après, par exemple, si vous voulez attester votre judaïsme, ce qu'on va vous demander, c'est un certificat de filiation. Il n'y a personne qui va aller vérifier si vous êtes ou non circoncis. C'est sur ça. Donc voilà. Donc oui, c'est une mitzvah considérée comme très importante dans le judaïsme, le fait d'être circoncis. Néanmoins, ça n'est pas la condition, c'est pas l'équivalent du baptême, si vous voulez. Oui, non, c'est ça, c'est sur ce point que je voulais avoir une précision, parce qu'il y a quand même un paradoxe dans ce que vous avez dit. Vous dites on est un AIT juif, mais en même temps, vous avez insisté sur la transmission. Or, si c'est simplement à transmettre la vie, après tout, on pourrait se dire, ben, il suffit, si je suis né juif, d'avoir des enfants
pour assurer cette transmission. Mais non, vous savez bien que les 613 commandements sont très importants. Et donc, là, il y a une difficulté d'articuler les deux choses. La nécessité de transmettre des coutumes, les commandements, et d'inviter ses enfants, je pense, à les pratiquer. La réaction du père de famille que vous citiez tout à l'heure est significative. Donc, il ne suffit pas de transmettre la vie pour transmettre la judaïté. Absolument. Enfin, il suffit de transmettre la vie. C'est filiation qu'on est juif. Mais ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est que justement, cette filiation nous place dans une situation, j'ai le mot situation au sens sartrien du terme, qui nous rend dépositaire de quelque chose. Oui. De quelque chose, et pas seulement dépositaire d'une vie à transmettre, mais justement dépositaire de quelque chose, et c'est ce quelque chose qui a à transmettre. Donc je crois pas que les deux soient contradictoires, les deux sont au contraire éminemment complémentaires l'un de l'autre. Et c'est ça qui fait justement, c'est ce lien entre filiation et transmission qui fait peut-être la spécificité du judaïsme par rapport aux autres traditions qu'on a pu évoquer. Même si je ne suis pas spécialiste, il y a une formule qui dit on a la religion de ses enfants. Et là, ça, c'est la réponse à la question de savoir comment est-on juif avec le verbe être et non pas le verbe naître. Voilà. Oui, alors j'avais un peu la même question. Une dernière question. Vous me demandiez... Maintenant, du côté du bouddhisme, c'est un peu la même question parce qu'effectivement, c'était l'articulation de l'intellectuel et du collectif. De l'individuel, pardon, et du collectif. Vous avez insisté, effectivement, sur les sentiments individuels, l'action des individus, etc. Évidemment, je ne mets pas du tout en question l'importance de cette chose. Et même Durkheim aussi insiste sur les sentiments, etc. Mais il me semble que quand vous soutenez que la société est faite d'individus et non l'inverse... Je pense qu'il ne faut pas dire la société. Il y a deux concepts. D'ailleurs, que Durkheim ne distingue pas société et culture, que distinguent plutôt les ethnologues. Nous ne sommes rien sans la culture, d'abord la langue que nous avons reçue. Et je crois que c'est pareil dans toutes les sociétés. Le bouddhisme, vous ne l'avez pas inventé, vous l'avez reçu. Vous inscrivez dans une tradition. Et cette tradition, vous la faites vivre, vous la transmettez, etc. Et c'est ça qui est antérieur aux individus. Oui. Avant nous, il y avait tout le poids de la culture qui nous a formés. Et que serions-nous sans la culture que nous avons reçue ? Donc il me semble que vous avez raison d'insister sur Durkheim aussi le fait. Quand il dit les hommes ont besoin des dieux, mais les dieux ont besoin des hommes aussi, puisque c'est les hommes qui font vivre d'une certaine manière les dieux par leur pratique, etc. Alors c'est vrai que la culture disparaîtrait si les individus ne continuaient pas à la transmettre activement, qu'il s'agisse de la culture juive, bouddhique, etc., ou chrétienne, ou n'importe où athée, etc. Il y a quand même bien une antériorité, une transcendance, je dirais, de toutes ces pratiques collectives, de toutes ces croyances collectives que nous avons reçues. Votre réponse ? Alors, tout à fait, bien sûr, c'est évidemment. Je dirais simplement que, d'abord, le bouddhisme est multiculturel, puisqu'il s'est manifesté d'abord, certes, dans le contexte indien, mais après, il a changé totalement le contexte. Quand on pense au contexte chinois, c'est vraiment pas du tout le contexte indien. Quand on pense au contexte tibétain, c'est encore totalement différent. Quand on pense au contexte du sud-est asiatique, encore autre chose. Et maintenant, il est en Occident. Et la culture joue un rôle, évidemment, parce que de toute façon, on part de langues qui sont des langues pas toujours indo-européennes, puisque dans le cas du chinois, ce n'est pas une langue indo-européenne. On part effectivement de fonds culturels qui ont adopté le bouddhisme, parce qu'il y a maintenant plusieurs formes de bouddhisme différents, dans différents contextes culturels. Mais il reste un message fondamentalement qui dépasse un peu les cultures. Et ça, c'est le côté un peu universaliste, effectivement, mais pas au sens occidental du terme. Mais il y a un côté universaliste, effectivement, dans le sens où, encore une fois, c'est l'expérience qui est le plus important dans toute cette histoire. Maintenant, effectivement, le côté culturel, on le voit.
Un temple japonais n'a pas la tête d'un temple chinois ou d'un temple vietnamien ou d'un temple, encore que là, bon, il y a encore des points communs, mais avec un temple, je dirais, par exemple, indonésien ou autre. Donc il y a des grandes différences, effectivement, culturelles qui impriment leur marque sur le bouddhisme et sur le message du Bouddha qui va être décliné et interprété différemment, en effet. Donc il y a un aspect effectivement de la culture qui est collective effectivement sur la manière dont ça va s'exprimer. Néanmoins, quand l'individu va pratiquer, il doit s'efforcer de s'abstraire de ces aspects culturels. Parce que ces aspects culturels font partie du conditionnement pour le bouddhisme. Et donc le Bouddha n'a jamais insisté sur les conditionnements, il a insisté sur le fait que nous étions conditionnés et que l'important était de se déconditionner. Donc il insiste aussi sur le déconditionnement culturel. Par exemple, il accepte les dieux du brahmanisme, parce que c'est en Inde, mais ils sont relégués à un rôle tout à fait secondaire. Les dieux ne sont pas des objets de refuge, on ne prend pas refuge dans les dieux. Les dieux sont acceptés comme étant des êtres simplement un peu supérieurs aux êtres humains, mais conditionnés. Par conséquent, on ne va pas prendre refuge en eux, parce qu'ils ne peuvent pas plus que les êtres humains. Le seul état inconditionné que l'on essaye de rechercher, c'est ce qu'on appelle l'état d'éveil, l'état de bouddhéité, le fait de devenir soi-même un Bouddha. Oui. Donc, quelque part, on dépasse quand même la culture à ce niveau-là. Il est moins 20. Bon, sinon, c'est parce que j'ai une bonne. Enfin, j'ai une question à poser. Je suis sûr que vous la reposerez. Bon. Il est moins 20 et je crois qu'il faut donner la parole à la salle. Oui, c'est vrai. Et nous reviendrons ensuite. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question, mais j'ai contribué aussi au débat tout à l'heure pour une phrase d'un penseur de la complexité que vous connaissez sûrement, Edgar Morin, tout à l'heure, quand vous dites. C'est l'individu qui est le plus important et non la société, et la société et non pas l'homme. Edgar Morin nous dit que c'est l'homme qui fait la société qui fait l'homme. Donc, oui, tout à fait. En gros, je pense que ça résume les deux en même temps pour pas. Voilà, lutte au conflit. Je pense que ça peut aider. Et ma question, c'est la suivante. Vous, pour le bouddhisme, vous avez dit. Il faut se déconditionner, mais vous oubliez la condition de connaître le savoir du Bouddha. Comment on fait ? Alors, on part du conditionné, parce que nous sommes conditionnés. Et l'enseignement du Bouddha lui-même est conditionné par les circonstances dans lesquelles il l'a enseigné. Mais c'est l'état dans lequel on essaye de parvenir en découvrant sa vraie nature qui est un conditionné. Mais on va utiliser des conditionnements, tous les chemins préconisés par le Bouddha ou par les maîtres qui ont suivi le Bouddha dans les traditions bouddhiques sont aussi des conditionnements. Mais on utilise des conditionnements pour se déconditionner, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ces conditionnements comme étant, par exemple, le rite. Dans le bouddhisme, il y a des rites. Mais on dit qu'il ne faut pas s'attacher au rite. Et ça, c'est fondamental. Parce que ce n'est pas le rituel, ce n'est pas le rite qui fonctionne en lui-même. C'est l'esprit de celui qui fait le rite qui compte. Et donc, si l'esprit est transformé à travers le rite, ou si l'esprit s'ouvre à travers le rite aura joué son rôle. Mais le rite en lui-même, on s'en fiche, quelque part. Vous voyez ? On ne s'en fiche pas parce que c'est un moyen de canaliser l'esprit tant qu'il a besoin d'être canalisé. Quand il arrive à l'expérience fondamentale qu'on cherche, il n'y a plus de rite. Bonsoir. Alors moi j'ai deux questions. La première question c'est sur l'égalité de l'homme et de la femme en fait, parce que c'est pas un sujet que vous avez abordé. Ah si, ça a été abordé dans une certaine mesure, mais pas sous ces termes-là, en tous les cas, du fait que le masculin et le féminin n'étaient pas mélangés, ça c'est clair. Et juste maintenant que l'égalité de l'homme et de la femme, c'est devenu un principe qui était universellement reconnu, je voulais savoir si, à votre connaissance, il y avait justement des mouvements religieux pour qui c'était vraiment un principe qu'ils appliquaient même dans leurs institutions, parce que la plupart des religions actuelles, on leur reproche d'être un peu patriarcales en fait, avec une majorité d'hommes et très peu de femmes. Donc du coup, je veux savoir ce que vous allez dire sur ça. Et aussi, une deuxième question, c'est sur les lois religieuses, parce qu'en fait, chaque religion est née dans un contexte particulier, culturel et enfin,
elle date pas d'hier, quoi. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du fait d'appliquer des lois qui étaient peut-être bénéfiques il y a 1400 ans ou il y a 2000 ans, mais qui aujourd'hui, en fait, peuvent être délétères, en fait. C'est un peu le fait de vouloir, je sais pas, appliquer, donner un médicament d'enfant à un adulte, en fait. Et du coup, ça pose aussi la question de savoir, bah, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions et pas une seule, dans ce cas-là. Et c'est aussi justement parce que peut-être l'humanité évolue et peut-être des lois qui aussi s'adapteront. Alors, avant juste de donner la parole à nos intervenants, j'aurais souhaité juste, oh, je suis désolé, souhaiter lire une phrase qui est c'est du très beau français, c'est de Rousseau. Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on eût écouté que ce que Dieu dit au cœur de l'homme, il n'y aurait jamais eu qu'une religion sur terre. Bon. Sur la question des femmes, évidemment, je donne forcément la parole. D'accord, à Sophie Norman. C'est une grande question, donc là, je vais vraiment aller trop vite. D'abord, c'est une vraie question dans le judaïsme et qui fait l'objet de nombreux débats, donc je ne peux pas là vous donner une réponse au nom du judaïsme dans son ensemble, ça n'aurait pas de sens. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que si, je crois que j'ai formulé les choses comme ça, si par égalité, vous entendez une égale dignité de l'homme et de la femme, alors, je pense que c'est un principe qui est acquis dans le judaïsme. En revanche, si par égalité, vous entendez une sorte d'interchangeabilité de l'homme et de la femme, une sorte de mise en équivalence, alors non, c'est absolument pas quelque chose qui va de soi. Mais je crois que ça n'est de toute façon pas quelque chose qui va de soi. Et donc, quand vous dites que l'égalité des hommes et des femmes est quelque chose d'universellement admis, qu'est-ce que vous entendez par égalité? Voilà, j'ai un peu envie de vous renverser cette question. Égale dignité, oui. Interchangeabilité, substituabilité, équivalence, là, non. Et dans le judaïsme, il y a effectivement certaines choses qui sont réservées aux hommes, certaines choses qui sont réservées aux femmes, et il y a cette distinction fondamentale entre les deux. Après, je réponds aussi directement sur la... Après, pour votre, aussi très vite sur votre deuxième question, celle de la pertinence à appliquer certaines règles, pratiques qui datent. Alors là aussi, ça fait question. C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu sur les différentes manières de concevoir la transmission. Est-ce qu'il faut garder intact ou est-ce qu'il faut au contraire adapter à chaque génération? Donc là aussi, ça fait question. Néanmoins, il y a aussi quelque chose de très important dans le judaïsme, c'est l'idée qu'il ne faut pas céder aux sirènes de son temps. Et que parfois, il y a des choses qui sont bonnes à préserver parce qu'on a trop tendance justement à vouloir, en allant très vite, je sais pas, je pourrais prendre un exemple, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple par exemple du respect du Shabbat. Au moment du Shabbat, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, utiliser l'électricité ou ce genre de choses. On pourrait très bien dire, mais enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, on peut, enfin, en quoi allumer un bouton, ça fait oublier le repos de Dieu après les six jours de la création. Enfin, on pourrait mettre en question un certain nombre de pratiques. Néanmoins, il y a aussi cette idée qui est très importante, qui est que dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde où chaque jour ressemble au suivant et où finalement on n'a plus cette distinction entre un temps de la semaine et puis un temps qui serait séparé, qui serait celui d'un temps d'arrêt, de repos, de retour sur soi, etc., et ben, il y a là quelque chose à préserver. Alors c'est peut-être une pratique ancienne, il y a peut-être une forme d'anachronisme là-dedans, mais c'est un anachronisme qui est d'une certaine manière assumé et qui et sur lequel et qu'il faut pas trop vite rejeter comme étant dépassé, périmé, etc. Voilà. Lucien Scubla, peut-être. Oui, j'abonderai dans le sens de ce qui a été dit sur le problème de l'égalité. Je crois que même dans notre déclaration des droits de l'homme dont j'ai parlé tout à l'heure, on dit simplement que les hommes, tous les êtres humains sont égaux en droit, hein, mais ça n'implique pas qu'ils soient interchangeables. Hein. Et je crois qu'il y a une confusion dans la pensée moderne
surtout dans nos pays occidentaux, justement, entre l'égalité et l'indifférenciation, finalement, de tous les êtres. Et dans la plupart des sociétés, alors dans l'exemple que j'ai donné, par exemple, de la société mélanésienne, là, effectivement, il y a une opposition entre l'homme et la femme, mais en même temps, il y a une équivalence entre le prêtre qui fait des sacrifices aux ancêtres, à l'autre bout du village, et la femme qui accouche. Et on voit bien qu'il y a une sorte de... Tous les deux font quelque chose qui est extrêmement important pour la survie de la société. La femme reproduit les hommes, et les sacrificateurs reproduisent la société avec toutes ses institutions et tous ses rites. C'est la fonction qui est attribuée aux sacrifices qu'ils font. Donc, on voit bien qu'il y a complémentarité des sexes et qu'il peut y avoir des deux côtés, bien qu'il y ait effectivement une sorte de biais masculin, puisque effectivement, même lorsque le village est construit sur un terrain parfaitement plat, on dit que le côté des hommes est le côté haut et celui des femmes le côté bas. Bon, donc c'est vrai qu'il y a une tendance aux hommes à estimer qu'ils sont supérieurs à certains égards aux femmes. Mais quand on regarde exactement les rites, les mythes, etc., et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre que vous avez bien voulu citer, Donner la vie, donner la mort, on s'aperçoit que dans beaucoup de sociétés, dans celle-là c'est très net, les hommes du sexe masculin ont bien conscience que les femmes jouent un rôle essentiel dans la reproduction de la société et que la procréation, c'est quelque chose d'essentiel. Et d'une certaine manière, ils essaient, notamment dans les initiations, qui sont souvent une manière de donner une nouvelle naissance aux enfants, eh bien, ils essaient de transmettre la culture de la même manière que les femmes ont transmis la vie, et les deux étant parfaitement complémentaires. Naître et être. Oui, alors voilà. Moi, je voulais répondre à la deuxième question par rapport à l'histoire de la... Peut-on changer les rites ou les traditions ou les lois ? Je pense que tradition, il ne faut jamais oublier que ça veut dire transmission. C'est-à-dire, c'est quelque chose de transgénérationnel. On passe quelque chose aux générations suivantes. Donc, dans la transmission ou dans la tradition, il y a la forme et le fond. Le fond, c'est l'élément spirituel. Ça doit rester vivant. Si l'élément spirituel disparaît, on n'a plus qu'une forme informe, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste un simulacre de transmission. Et donc, la transmission est morte. Si on a une forme, c'est parce qu'il faut une forme pour transmettre quelque chose comme un précieux liquide doit être transmis à travers un récipient. Donc, le récipient, c'est la forme, c'est l'aspect formel de la transmission. Mais cette forme peut changer. On peut l'assouplir, on peut la décorer différemment. Il faut faire en fonction des circonstances et du temps. Donc une tradition qui fonctionne bien, elle ne perd jamais son fond, mais elle peut transformer sa forme, car elle n'a pas peur de transformer sa forme. Quand une tradition a peur de transformer sa forme et s'obsède sur sa forme, ça devient un fondamentalisme et bientôt un intégrisme. Et alors à ce moment-là, la transmission, vous pouvez dire qu'elle est morte. Il n'y a plus rien à transmettre. C'est juste un simulacre de religion. Voilà. Ok, juste une indication bibliographique sur la question de l'égalité homme-femme. Elisabeth Badinter, bien connue, a écrit un livre qui s'appelle « L'un et l'autre », EST. On ne peut pas accuser Elisabeth Badinter de ne pas être féministe. Mais elle y dit clairement que si on veut l'égalité, au sens de la fameuse égalité réelle, qui est même, paraît-il, rentrée dans les intitulés des ministères aujourd'hui, et non pas l'égalité en droit et en dignité, alors il faut jouer la carte de l'identité. Elle est absolument claire là-dessus. Hein. Et donc, il faudra que les hommes portent les enfants au même titre que les femmes, car la science et la technique le permettra. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Autre question. J'ai l'impression que notre débat fait l'impasse et en même temps n'arrête pas de tangenter la question suivante. L'idée même qu'il puisse y avoir un choix individuel est inacceptable dans certaines religions. C'est-à-dire que le vrai débat, enfin la vraie opposition, ce n'est pas profane et sacré, c'est sacré et individu.
dans énormément de religions, encore aujourd'hui, l'idée d'un choix personnel est une idée absurde. On est, le mot qui n'a pas été prononcé, c'est celui d'appartenance, il a été tangenté. Mais l'idée de choisir sa religion est une idée refusée par un très grand nombre aujourd'hui de religions. Et avec d'ailleurs le risque d'apostasie et la punition que l'on connaît aujourd'hui pour l'apostasie. Donc, c'est pour ça que la Déclaration des droits de l'homme est problématique, effectivement, c'est parce que c'est un texte très récent qui suppose un individu non seulement rationnel, mais volontaire. Je vous rappelle, une des premières définitions du sacré, c'est de la Momus, au 1er ou 2e siècle, c'est le sacré, c'est ce qui dépasse l'intellect, ce qui n'est pas accessible à l'intellect. Donc, c'est des choses qui vous englobent. L'idée de choisir sa religion et de reconnaître une espèce d'individualité, de détermination personnelle dans le religieux est une chose extrêmement récente et qui n'est pas acceptée par un très très grand nombre de religions aujourd'hui. C'était au fond plutôt une contribution qu'une question, au fond, ou bien sur la question de l'appartenance, je pense que... Oui, ben, c'est aussi une correction, parce que ce que je veux dire par là, c'est que si je parle de l'individu qui va choisir de faire un chemin spirituel, c'est aussi parce qu'il peut être appelé. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de peut-être ses conditionnements antérieurs qui vont faire qu'il va être effectivement appelé à quelque chose. Donc je ne vais pas vers l'individu roi non plus quand je dis ça. Hein. Voilà. Mais dans le Tibet du temps d'avant l'invasion, est-ce qu'on pouvait être autre chose que bouddhiste, par exemple ? Bien sûr. Il y avait des musulmans, il y a des bumpo. Des communautés, d'accord. Oui. Mais quelqu'un qui se dit... Des Tibétains qui font un coming out. Un Tibétain qui ne veut pas être bouddhiste, il le dit, et puis il n'est pas bouddhiste, et puis c'est tout. Et c'est documenté, ça ? Non, je pense que, franchement, dans le bouddhisme, il n'y a aucun problème si quelqu'un sort du bouddhisme. D'accord. Je veux faire une réaction. Sauf si on ne va pas. Après la réforme, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe siècle, chez nous, en Europe, cuius regio, eius regio, tu auras la religion de ton prince. L'idée de choisir sa religion, quand même une idée extrêmement récente, et qui n'a peut-être rien à voir avec la notion de religion, parce qu'on ne choisit pas le sacré. Enfin oui, je veux bien réagir, mais ce n'est pas vraiment une réponse, mais d'abord, un tout petit peu étonnée par la question, parce qu'il me semblait qu'on avait justement abordé ce point, pour ce qui est du bouddhisme, avec cette question du choix individuel, et puis pour le judaïsme, avec effectivement cette idée qu'on est que la situation précède le choix, si vous voulez. C'est que avec cette idée que je pourrais peut-être formuler comme ça, qu'il y a une sorte de fiction peut-être de l'individu moderne, de l'autonomie moderne, qui est qu'on serait neutre, placé devant des options, et puis on choisit comme on fait ses courses au supermarché. Et c'est peut-être cette fiction-là qui ressort de votre question, et à laquelle, enfin, moi, il me semblait que je l'avais abordée, mais peut-être de manière pas suffisamment claire, avec cette idée que ça, c'est justement une construction mentale. Mais qu'en réalité, on est d'emblée placé dans une situation, et que le choix qu'on peut faire, il se fait toujours en situation. Et donc voilà, c'est peut-être ça que je voudrais répondre. Il y a peut-être d'autres questions. Je voulais faire une petite réflexion par rapport au bouddhisme, mais après une question aux religions monothéistes. Alors c'est vrai que vous nous avez expliqué un peu ce qu'était le bouddhisme, mais de toute façon, pour comprendre le bouddhisme, il faut déjà bien connaître. Vous avez, c'est vrai, cité le brahmanisme, mais il faut bien connaître l'hindouisme, qui est déjà un système assez complexe. Donc il y a quand même des liens de chronologie quand même. Non, justement tout ça est battu en brèche à l'heure actuelle. On sait très bien que le bouddhisme ne vient pas de l'hindouisme. D'ailleurs l'hindouisme est beaucoup plus récent. C'est le brahmanisme ancien, mais le brahmanisme lui-même n'avait pas, c'est une religion sacrificielle qui n'a rien à voir avec les idées du Bouddha. Et en fait, ce sont ces idées du Bouddha et du jaïnisme qui ont petit à petit pénétré le brahmanisme ancien et qui ont fait que ça a
engager une transformation de l'intérieur du brahmanisme vers une religion de libération comme le bouddhisme et le jainisme, et qui a donné par la suite, dans des temps plus modernes, l'hindouisme. Mais ça, on en a la certitude à l'heure actuelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de dette du bouddhisme par rapport à l'hindouisme. Ouais. Ça, c'est sûr. Pour le monothéisme, il n'a pas été... Alors, moi, je... Enfin, la définition qu'on a eue de la religion, c'est vrai que c'est une définition classique, mais vous n'avez pas abordé du tout la finalité, je vois, de la religion, parce que, grosso modo, la religion, elle est faite... Bon, il y a le côté, disons, sur Terre, bon, c'est avoir une sorte de... d'atteindre la paix, la fraternité, bon, entre les hommes, et de l'autre côté, lorsque bon, la personne quitte ce monde, et c'est aussi dans un monde bon, qu'on peut dire dans le monothéisme, essayer d'atteindre le paradis, d'être dans la félicité, etc. Grosso modo, on est tous d'accord là-dessus. Je crois pas. Non. Enfin, je crois pas qu'on soit tous d'accord là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que la problématique est que, par rapport au monothéisme, comment voulez-vous concilier ces objectifs alors que vous n'avez pas parlé justement des fondements sur lesquels s'appuient, par exemple, ces religions monothéistes qui souvent ont des positions contradictoires. Par exemple, si on prend le christianisme, et ce qui fait le fondement même du christianisme, c'est quand même bon, la crucifixion, etc., qui est liée d'ailleurs par les deux autres religions. Comment voulez-vous, je veux dire, atteindre ces objectifs de paix, de fraternité, quand vous avez des antagonismes quant aux finalités contradictoires, parce que le personnage central du christianisme, bon, étant rejeté par les deux autres, étant lié à la crucifixion d'une des religions, lie cette crucifixion, l'autre le rejette, etc. Donc ça crée des situations, je veux dire, qui peuvent amener des conflits, hein, au travers des siècles, etc. Et justement, la religion, le but, c'était justement d'aller contre cela. Alors, comment voyez-vous il y a un paradoxe. Alors, comment voyez-vous la finalité de tout ça? Peut-être une... Très bien. Une réaction de Sophie Norman, et puis peut-être ensuite de Lucien Scublai, qui pourra peut-être nous dire un mot de Girard à cette occasion-là. Mais enfin, bon. Déjà, je pense qu'il est très problématique, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé du christianisme, de parler des religions monothéistes. C'est encore une manière, j'ai dit qu'il ne fallait pas plaquer des catégories de pensée qui sont étrangères sur les objets qui... Je pense que c'est encore une manière de mettre dans le même sac un peu vite des choses qui sont... très différentes. C'est pour ça que moi, j'ai parlé simplement du judaïsme et d'ailleurs, enfin, en posant la question plutôt qu'en affirmant est-ce que le judaïsme est une religion, enfin, je crois que c'est aussi ce qui ressort de ce que j'ai dit ensuite. Par rapport à ce que vous disiez, comme encore une fois, allant de soi, à savoir cette perspective d'une félicité dans un monde futur, je ne crois pas du tout que c'est quelque chose qui va de soi dans le judaïsme. Mais vous posiez la question de la finalité. La finalité, elle est clairement, mais ça aussi, il me semblait l'avoir dit, que dois-je faire? Comment agir ici et maintenant? Et voilà, elle est là, la finalité. Elle n'est pas dans l'idée d'un au-delà après la mort pour lequel j'accéderai au paradis, etc. Elle est dans que dois-je faire ici et maintenant. Et pour orienter le que dois-je faire ici et maintenant, on a besoin d'une perspective, on a besoin d'une promesse, on a besoin d'un idéal. C'est un peu comme, si vous voulez, si on imagine par exemple un bateau qui vogue sur l'eau. Il peut aller à droite, à gauche, etc. Mais ce qu'il fait, son cheminement, n'a pas de sens. Pour que son action prenne un sens, il faut qu'il ait une destination, il faut qu'il ait un but. Et je crois que c'est ça... le rôle que joue dans le judaïsme, c'est une manière en tout cas de le comprendre, la promesse messianique. C'est pas du tout la promesse d'une félicité dans un au-delà après la mort. C'est plutôt l'idée d'une perspective qui va orienter notre action ici et maintenant et qui va lui permettre de prendre un sens. Donc la finalité, elle est encore et toujours dans que dois-je faire ici et maintenant. Oui, je ne peux pas répondre directement sur la question des monothéismes, mais pour le religieux en général, les religions en général, vous avez raison de poser la question de la finalité. Et il y a effectivement un concept qui manque un peu sur la liste des concepts qui vont être étudiés, c'est celui de salut. C'est que la fonction une religion, c'est d'abord des rites, un corpus de rites et d'interdits. Il y a des tabous,
Et il y a, on ne doit pas manger, par exemple, il y a des tabous alimentaires pour toutes les religions. Voilà un type d'interdit. Il y a, d'autre part, des choses que l'on doit absolument faire. Bon. Et donc, ces actions qui sont proscrites ou qui sont au contraire prescrites, elles ont une fonction. Et la fonction, c'est d'assurer la survie du groupe et des individus qui la composent. Et dans la plupart des sociétés, c'est d'abord, on raisonne d'abord collectivement, c'est d'abord le groupe, puisque le salut de l'individu dépend d'abord du salut du groupe. Et le mot « salut », s'applique aussi à la santé. Vous voyez, en italien aussi, salute, c'est la santé. Hein. Et les religions traditionnelles qu'on rencontre dans les sociétés qu'étudient les ethnologues, elles ont des fins qui pourraient paraître un peu matérielles. Effectivement, c'est d'assurer la santé de tous les individus, la prospérité générale, la paix, effectivement, c'est un élément, puisque si les hommes se battent, s'il y a des conflits, il y a des morts, il y a des rancœurs, etc. Bon, donc, il s'agit d'assurer la survie du groupe et du même coup des individus dans les meilleures conditions possibles. C'est ça la finalité fondamentale de toutes ces pratiques qui sont faites d'interdits, encore une fois, et de cérémonies obligatoires. Oui. Ça ne correspond pas du tout au bouddhisme. Je voudrais peut-être revenir sur cette question quand même qui me turlupine un peu. C'est que j'ai toujours un exemple en tête, c'est d'une religion effectivement qui était un peu purement spirituelle, dont on n'a simplement que des textes, c'est ce qu'on appelle l'orphisme, mais justement qu'on connaît très mal, pour la raison que justement ils n'ont pas créé d'église, ils n'ont pas créé de rite, il n'y a pas eu de tradition, il y a eu simplement des écrits. On n'a que des écrits orphiques. Et je dis souvent à mes amis chrétiens qui voudraient revenir à la religion de Jésus primitive, eh bien que si effectivement il n'y avait pas eu tout le christianisme historique qu'il récuse, et Girard parfois tombe un peu dans ce travers, eh bien il nous resterait simplement que quelques textes, comme nous avons, il y aurait des écrits chrétiens, comme nous avons des écrits orphiques. Et je pense que ça doit être la même chose pour le bouddhisme. Il y a des temples, il y a des rites, il y a etc. Et c'est grâce à cette tradition que les individus, ensuite, peuvent effectivement, à l'intérieur de cette tradition, chercher une forme de perfection. Oui, mais il y a une lucidité sur le fait que tout ça n'est que convention. C'est tout. Voilà. Au service d'une finalité, une autre question. Je me faisais une réflexion en écoutant ce débat et vos interventions. C'est si la définition qui est donnée par Durkheim de la religion comme un ensemble de croyances et de rites n'est pas plutôt typique d'un phénomène occidental qui a vu une convergence très particulière de ce que je l'appellerais une dimension politique et une dimension métaphysique, avec du côté de la dimension politique, ce que j'ai pu comprendre du judaïsme mais aussi du cas des îles Samoa, où les rites sont constitutifs de la société, de sa transmission et de son maintien, et de l'autre côté, plutôt du côté du christianisme ou du bouddhisme, une dimension métaphysique où le but de la religion est d'assurer soit l'éveil ou le salut de l'individu. Et où du coup, c'est quelque chose, ces deux dimensions ont été fusionnées à un moment dans l'histoire de l'Occident, et c'est très difficile de l'appliquer aux autres concepts où il y a soit plus du politique, soit davantage du métaphysique. Ouais. Ça paraît assez juste. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus une question qui... Oui, je ne sais pas si je dois répondre. Enfin, oui, je pense que bon, les définitions générales, effectivement, on peut toujours considérer que on ne peut jamais en produire, que les phénomènes sont trop divers pour qu'on puisse le faire. Je pense que la définition de Durkheim, que récusait mon collègue tout à l'heure, en disant il n'y a pas de sacré, vraiment l'opposition sacré-profane. Mais en même temps, vous avez parlé de souillure. Et la souillure, précisément, c'est un concept dans l'esprit. Dans l'esprit, oui. Alors la souillure serait une sorte de construction Un obscurcissement. Un obscurcissement. C'est le terme. Oui. Oui. Mais non, il n'y aurait. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des actes qui sont des souillures? Est-ce qu'un bouddhiste? Je vous pose la question naïvement. Hein, je ne connais pas bien le bouddhisme. Et les temples, est-ce qu'il n'y a pas des profanations possibles d'un temple?
Oui, d'une certaine manière, oui, on peut effectivement, en cherchant bien, oui, bien sûr. Par exemple, on ne rentre pas dans un temple avec des chaussures, effectivement. Bon, ben voilà, simplement. Je suis d'accord. Moi, mais c'est quand même un ad minima. C'est pour ça que je pense que l'opposition sacrée-profane, elle est quand même suffisamment générale. Alors là, j'ai donné l'exemple, effectivement, très clair, où là, on a exactement les catégories que Durkheim emploie. Sacré, profane, et puis en même temps pur et impur pour le sacré. Bon, on n'a pas toujours un vocabulaire aussi riche dans toutes les sociétés, c'est vrai. Ma collègue a insisté sur le fait que le mot religion, ben, dans la plupart des sociétés, il n'y a pas de mot pour désigner la religion. La religion va de soi, il y a un ensemble de traditions. On a des mythes éventuellement pour les justifier, qui racontent comment elles ont été instaurées, etc. Mais il n'y a pas de mots pour désigner l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner une définition générale de la religion. On n'a pas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait partout ce terme présent. En revanche, il me semble que, et il faut apporter la preuve du contraire, si on, et c'est peut-être possible, hein. Moi je suis assez popérien, il faut proposer des définitions qui sont réfutables, c'est-à-dire telles qu'elles sont suffisamment précises pour qu'on dise, pardon, là, votre définition ne marche pas. C'est pour ça que ce que disait mon collègue sur le bouddhisme m'intéressait, mais vous voyez que simplement ce qu'il vient d'ajouter en réponse à ma question me semble montrer que le bouddhisme n'infirme pas la définition de Durkheim. Si, peux pas il aller plus loin. L'infirme, mais pour des raisons différentes et beaucoup plus subtiles. D'accord. Mais qu'on n'a pas le temps de... On va laisser les subtilités. Voilà. Alors, il y a encore une deux questions au moins, pas plus. Parce qu'une seule. Bon, d'accord, très bien. Oui, non, très bien. Bonsoir. Ma question se porte sur le judaïsme de manière un peu spécifique. Je voudrais connaître, selon vous, selon votre avis de philosophe, la place des paroles qui sont nécessaires justement à la transmission de la tradition, à l'étude de la loi, à la transmission de la loi. Enfin, des paroles et a fortiori des croyances, parce que vous savez par exemple que le Talmud dit que les juifs qui, par exemple, ont trop autre chose, disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, n'ont pas droit au monde futur, n'ont pas droit à la rédemption. Donc, d'une certaine manière, il existe des croyances, en tout cas des paroles conformes, une orthodoxie. Je voudrais savoir votre avis là-dessus. Alors, sur le passage précis que vous évoquez, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce qu'il faudrait vraiment aller voir le texte talmudique, parce que très souvent, dans le Talmud, ce qui est statué est précédé d'une discussion très longue, très fouillée, etc. Et là, je ne sais pas si ce à quoi vous faites référence, c'est à une des parties prenantes d'une discussion talmudique ou à une conclusion. Enfin, il faudrait aller voir de plus près le texte. Et si, pour ce qui est de la question plus générale que vous adressez, si j'en ai bien compris le sens, ce que je dirais, c'est que il y a fondamentalement cette conscience dans le judaïsme qu'avec le judaïsme surgit, apparaît une parole qui n'est pas la parole qu'on peut, qui n'est pas une parole que l'on peut déduire de l'observation naturelle de la nature. C'est-à-dire que au cœur du judaïsme, il y a les 10 commandements, qui sont justement des commandements, c'est-à-dire qui s'énoncent à l'impératif parce qu'ils ne peuvent pas s'énoncer à l'indicatif. Parce que de fait, dans l'indicatif, on tue. De fait, dans l'indicatif, on convoite. Donc, il y a besoin de commandements qui s'énoncent à l'impératif. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire ça? Ça veut dire que tous ces commandements, ce ne sont pas des choses qu'on peut déduire d'une observation de la nature. Il n'y a rien, si on étudie scientifiquement les choses, il n'y a rien qui va nous dire « ne convoite pas les biens de ton prochain ». Donc pour que ce commandement il puisse se maintenir comme commandement, il doit se maintenir comme parole vivante. Et donc, parce que s'il ne se maintient pas comme parole vivante, il est perdu et on ne pourra jamais le retrouver. C'est ni les biologistes, ni les anthropologues, c'est pas en étudiant la nature ou la nature humaine qu'on va retrouver ce commandement. Donc, si on veut que ce commandement se perpétue, si on veut effectivement
qu'on honore son père et sa mère, qu'on ne convoite pas les biens du voisin, toujours à l'impératif, parce que de fait, c'est pas pour ça que ça va se réaliser, mais en tout cas, si on veut que le commandement se maintienne comme commandement, il a éminemment besoin de se maintenir comme une parole vivante qu'on transmet de génération en génération. Donc il y a effectivement ce statut central accordé à la parole vivante, en particulier sous la forme du commandement. Bon, mais écoutez, je crois que cette soirée, je l'espère, a été parole vivante et que vous aurez eu à la fois de la lumière, mais aussi du trouble pour pouvoir continuer par vous-même. Voilà. Merci à tous. Merci.